Eh bien le bonsoir, bonsoir, hop, attendez deux secondes. Bien le bonsoir à tous et à tous, ici Draken sur Evasan Studio. Nous sommes toujours sur Borderlands Gothic Unchained, toujours en coop avec mon cher ami Jake. Bonsoir Jake. Et salut. Comment ça va? Ça va, et toi? Ça va, un peu fatigué de la semaine. Bon, j'ai un peu avancé dans la map. Ne vous inquiétez pas, je ne vous montre pas encore le jeu. Mais au moins, on a gagné 2-3 minutes. Et potentiellement 10 minutes, vu que ça plante à chaque fois qu'on fait des TP. Alors, le petit jeu, je vous l'affiche. Touk. Alors, on est bientôt sur la fin, si jamais, si vous vous demandez, les yeux du chat. Je crois qu'il nous reste encore 5 ou 6 quêtes principales à faire. Et on aura fini la quête principale. Bien sûr, il nous restera les DLC à faire. Du coup, là, on est sur une quête secondaire où on doit tuer l'anéantisseur. D'accord. Bon après, là, les quêtes que je vois qui restent sont toutes faciles. Même la quête principale, enfin actuellement, elle est level 30. Donc, c'est parti! Bon, on a fait deux. Enfin, j'ai tué deux personnes ici. Parce que sinon, ils allaient nous embêter. Donc, bah, voilà. Ça a changé de quête. C'est parti! Oh, c'est vrai, je les avais oubliés. Je les avais oubliés. Alors, je te laisse faire le. Bien sûr. Il fallait que je me tape deux corrupteurs de. Oula. Ça y est, ça commence déjà. Hop. Il fallait que je m'en tape des corrosifs alors que j'ai une arme corrosif. Hop. Alors je sais pas du tout c'est qui l'anéantisseur, si c'est un. Si c'est une personne ou si c'est un monstre. Ah mais c'est on doit faire tout le tour là. On est tout choqué. Je suis fini quand même. Oh, derrière. Ouais, j'essaie de. Ah je suis en train de. Hop! Une autre encoche sur mon arme. Oh! Oh, c'est une arme violette. Je te laisse la prendre. Comme ça, tu auras plus d'argent. Et tiens, j'ai regardé le succès qu'on avait fait au dernier stream. Là, le plombier, ouais. Il n'y a que 9,6% de personnes qui l'ont fait sur le jeu. Mais il faut le savoir en même temps. Hein. Bah, ouais, en fait, c'est. Ils peuvent passer à côté. Ouais, après, bon, tu peux. Enfin, faut regarder les succès Steam, quoi. C'est ça l'inconvénient et l'avantage. Ah oui, de la vie. Par contre, il y a aussi dans Borderlands 2, t'as aussi une ref à Super Mario. Parce que t'as à un moment, t'as un ennemi qui s'appelle Dokemong. D'accord. Qui est bien sûr. Et c'est en fait un Garogo. C'est un genre de Yeti à quatre bras bizarre. Et en fait ce monstre là bah, Dokemong c'est un énorme Garogo tout noir qui te jette des barils explosifs à la tronche comme bah, Donkey Kong dans les premiers jeux Mario où il s'appelait pas encore Mario je crois. C'était quoi non, son nom? C'était Jumpman. Ah oui voilà Jumpman. Hop. Du coup, t'as même un succès Steam où il faut le tuer. Mais du coup tiens, comme tu fais pas quand les mecs ils ont pas de bouclier, tu leur fais plus de dégâts ou quoi? Bah je passe juste à travers leur bouclier. Après ouais, ils essayent de viser la tête pour faire les critiques. Ah oui.
Alors attends, l'anéantisseur il est. Ah oui, c'est vrai, il faut monter. Attends, parce qu'il y a. Ouais. En bas, il y avait un espèce de bateau suspendu. Et il y avait des choses dedans, j'ai l'impression. Le bateau ? Je sais pas, une barque. Ah, attends, c'est. Ah, super. Je m'y attendais. Bah, sous le pont, sous ce pont, je crois. Non, c'était pas. Ah oui ! Ah ouais, non, oui, mais c'est des tas de. C'est des tas de déchets. Souviens-toi, c'était là où il y avait. Oula, oula. C'était. Là où t'avais une des pièces d'armes qu'on devait récupérer. D'accord. Dans une des quêtes. Graphique là. Hop. Ouais. Alors, je mets ta tourelle. Ouais. Se cacher. Ouais, ça va. Je pensais que c'était un tonneau explosif. J'adore ça. Il y a des sous. Des sous-sous. Des armes qui servent à rien. Mais... Allez, mais ils sont beaucoup, la vache. Et ma grenade. Je charge là. À côté de moi. Oh, le fusil à pompe, il vise, il est peu précis. Alors, l'anéantisseur. Des coffres. Il l'a mis en feu. Bien, je me sens mieux. C'est vrai, Sanguine est le premier pognon, c'est vrai. Sanguine, c'est la caisse d'épargne en fait. Tu tapes quelqu'un, tu donnes du pognon. Attends, c'est un peu trop large par là. Non, mais c'est par là. Ah, mais il doit y avoir quelque chose. Un coffre. Ah oui, oh, peut-être. Mais Ah oui, c'est le son de l'attendre ouvrir. Non. Oui, non, je saute pas dans le vide, hein. Non, je vais pas sauter. Non, non. Si tu sautes dans le vide, tu vas devoir tout te déplacer et tout. Ouais. En plus, c'est bien, c'est qu'avec avec ton arme, tu augmentes le niveau d'expertise. Parce que tu l'as déjà eu, le niveau d'expertise. Enfin, le succès avec. J'ai eu un succès, mais je sais plus pour quelle arme. Bah après, ça tu peux le voir. Snipe, je pense. Tu vois, après, tu peux le voir hein, quand tu vas ouais. dans tes quêtes. Bon, après, je sais pas s'il y a un succès de faire toutes les armes. Ça m'étonnerait. Sûrement. Peut-être, mais franchement, ça m'étonnerait. Enfin, sûrement pas un succès, ça c'est sûr. Je l'aurais vu. Ou alors, c'est un succès caché. Un succès caché, peut-être. Ouais, mais bonne chance. Hop. Ah bah tiens, qu'est-ce que je dis? Il y a un coffre rouge là-bas. Ouais, c'est... Souviens-toi, la dernière fois, on l'avait oublié de prendre. Ah, par contre... Lance les grenades. Ça en fait un autre qui mord la poussière. Hop. C'est bien, ils sont tous à côté des panneaux, là. Alors, l'anéantisseur, il est... C'est un peu Noël. Alors, l'anéantisseur, il est là. Il fait très mal. Défonce. Voilà. Alors, il donne une sniper qui donne pas beaucoup, mais... Au fil du rasoir, je pense... Vu qu'il doit avoir un nom... Tu vas avoir une capacité spéciale.
Le fil du rasoir. Il fait rien de spécial ? Ouais, j'ai pas l'impression. Plus de dégâts, un peu plus de vitesse de recharge. Et si tu prends et que t'essaies de tirer, peut-être que. Bien, on a des armes ici. A voir. Alors, des classes. Ah, dégâts d'électropulsion 36, condition physique, grenadier, tir groupé. Ah ouais, mais c'est pas la. Ouais, c'est celle-là aussi. Eh ben, hop, je te laisse en prendre deux autres. Tu veux pas le truc violet là ? Non, il est moins utile que. Parce que le mien, je le garde, il donne plus de boucliers et de rechargement de boucliers. C'est. Comme je suis plus support, c'est un peu mieux. Surtout que c'est un bouclier pour équipe qui me fait. Ma classe. Donc, Puis j'ai pas pris cette classe. Cette branche là. Non, il y a dans ma classe, donc ça. Par contre, on va pouvoir faire des petites emplettes. On va pouvoir gagner de l'argent. Qu'êtes-vous, monsieur ? Donc, ça, on a fait la quête. On va trouver la cachette des. La cachette avec le X, là, on avait fait dans la dernière, dernière zone, la dernière fois. On a dû relancer le jeu, enfin, j'ai dû relancer le jeu parce que je laguais. Tu me dis quand c'est bon. Bon. Hop. Du coup, là, on va devoir trouver une cachette d'un trésor. Après, on va devoir retrouver le meilleur ami de Earl le Dingue. Et on fera la quête principale. Alors, est-ce que... Non, il n'y a plus de quête. La cachette, elle est là-bas. Il n'y a pas un autoloc ? Ah si, il y a un autoloc qui est là. Hey, allez, je te laisse conduire l'autoloc. C'est où ? Je grimpe. Ici. Là-bas. Je te laisse conduire l'autoloc. Comme ça, tu vas pouvoir faire les succès de... tuer des ennemis... Alors, oui. Par contre, j'ai pas la minimap, comme d'hab. Hein. À droite, à droite. Par là-bas. Par là-bas. C'est tout droit. Là où il y a le point ? Ouais, le losange. Là ! Du coup, on va devoir. C'est apparemment une cachette avec un X. Alors si jamais tu veux activer le boost, tu appuies sur F. F. Alors, Stop. On est vivant. Alors attends, parce que... C'est le temps de réaction. Ah mais du coup, ça nous a pas sauvegardé. Faut refaire ? Oui, faut refaire. Allez, on refait. Bon, on refait pas le coup de l'accélération. Non. Tu peux faire le coup avant. Sur F. Alors pour désactiver le boost, tu appuies sur F. Ah, d'accord. Et en fait, ta barre elle est un peu, elle est au-dessus de la vie de la voiture. D'accord. La barre de boost. Donc là, pas de boost, hein ? Non. Mais attends, on va. Vas-y, la map là. Vas-y, vas-y. Parce que c'est une cachette. Là, tu descends. Tu descends. Parce que c'est. Regarde. C'est en dehors de la map, mais. Oh punaise, d'accord. Voilà. Donc là, on a trouvé notre cachette. Alors, il faut appuyer sur un bouton. Voilà. Vous avez découvert un coffre comme celui de Old Heaven, issu avec les trois mêmes clés. À l'intérieur se trouvent des documents concernant l'enfance des frères. Vous en tirez un bon prix à New Haven. Il y a aussi une arme fantastique. Là, voilà. Le coffre s'ouvre. Des armes ici. Et des petites armes. C'est alors, génial. Pas ouf. Ah oh, putain. Tu prends celle que tu veux. Il y a un petit revolver qui est, mais il est bien, mais j'aime bien celui qui a pas besoin de se recharger, quoi. Bah, tu peux le prendre, hein, c'est que tu peux le prendre, et après, ça fait toujours des sous, hein, de toute façon. Tu peux même prendre les 4 si tu veux.
Ah tiens, prends le 4. Prends les 4, t'as qu'à prendre les 4. Ça te fera des sous-sous. Du coup, là, on doit aller sauver le meilleur ami de Earl le dingue. Donc, place mitrailleuse. Et du coup, bah, tu suis le point. Il est où? Par là. Voilà, petite séance. Vous êtes mon chauffeur Uber? Il fait pas très beau aujourd'hui. C'est par là-bas. Il y a le boss, Michel! Ouais! Par le grand tour, en fait. Bah après, en fait, t'as soit la méthode, on sort ici, on se TP plus près, soit on fait la route avec la voiture. Mais c'est mieux que tu fasses la route avec la voiture, comme ça tu peux tuer des gens. Toi, si tu fais demi-tour, t'as des méchants derrière. T'as des cafards. Comme ça te fait des succès pour écraser. Écraser des trucs. Oui, ils sont là-bas. Attends, prends des poteaux là. Voilà. Ou juste. Voilà. Tu vois, ils font quasi pas de dégâts. Alors, le plus embêtant, c'est les. T'en vas, et ça, reviens. Les explosifs font pas de dégâts, pas trop de dégâts, mais c'est les. J'ai eu un peu de sang sur les pneus, il y avait que celui-là. Non, il y en a plusieurs, mais tu peux continuer. Il y a plusieurs. Là, je viens d'en avoir un, c'est pour ça. Ah non, mais bah, c'est nickel, c'est good. Je te lançais pour ça. C'est ce que t'en as un, c'est, je crois que sur Steam c'est celui-là, mais. Attends, il y en a encore. Ah, c'était pas de. Derrière. C'est pas là. Si, c'est par là. Mais. Comme ça, tu tues des gens. Tu tues des gens avec la voiture. C'est le temps qu'ils spawnent en fait. Ah, ils sont petits, eux. Hop. Voilà. Après, t'es pas obligé de rouler à fond, hein. Tu peux donner des petits à-coups dans la voiture. Mm. C'est, tant que tu t'es pas obligé de prendre une vitesse, tu vois. Il y a pas la direction à suivre. Ah. Ah, mais c'est parce que tu joues au clavier. C'est pour ça que c'est plus facile avec la souris, en fait. Parce que quand c'est la souris, t'as juste à bouger ta souris. Et ça vise automatiquement. En fait, c'est pour ça. C'est juste là. Hop, et du coup, on peut continuer. C'est ici, hein? Oui, si. Attends. Non. C'est l'arène du boss. Bah non, mais attends. Ouais, on va se TP parce que sinon, on va se taper le boss. Alors, va là-bas. Ah, je continue pour trajet en voiture. Ouais, on va aller prendre le TP plutôt parce que sinon. Sinon, là en fait, on doit. Tu te souviens le boss avec la voiture? Ouais. Bon, on doit traverser toute sa zone. D'accord. Voilà. Qui est pour ça. C'est toi qui mets les phares ou c'est. Non, moi je. Je contrôle pas ça. Ah, voilà, on peut sortir. T'as que ça la voiture. Hop, et là du coup on se TP. Ah bah on a envoyé. C'est où il y a la rack Hive. C'est où il y en a eu le gros boss la dernière fois là. Le gros chien où les rats qui sortent de son dos. Et du coup là on doit aller. Bah si on a voulu faire le succès de plombier là. Et là il faut qu'on aille au sud-est. Oui, c'est ça. Au sud-est. On va aller sur une machine. Hein? Attends, je vais à un distributeur de pas de boisson du coup. Vas-y. J'avance un peu. Ah, j'ai trouvé des quelqu'un. J'ai entendu la musique. Ouais, c'est des hyménoptères, c'est des trucs. C'est petit monstre. Je me tue au cac. Cible. Ça oui, si jamais tu peux. T'as aussi des succès en. Alors, succès Steam, je sais pas. Mais t'as les défis
Ce serait logique que tous les succès du jeu soient sur les. Pas obligé. Ah bon? Parce que en fait, c'est des défis. Tu vois, t'as les défis. Et t'as les défis, touchée. Et après, t'as les succès Steam. Mais comme là t'as un succès Steam, c'est visiter tel lieu. Que t'as pas de défi. Ça dépend, des fois t'as des succès, des fois t'as pas des succès. Comme là, attends, si je regarde. Hop. Genre là tu vois les succès qu'on peut débloquer. Comme là t'as passé le niveau 40. On doit finir toutes les quêtes dans une zone. Découvrir des zones, passer level 50, jouer à 3, secourir assez de claptrap pour débloquer 42 slots d'inventaire, bah dans notre inventaire. Tu vois, c'est des c'est pas vraiment les mêmes défis qu'on a. Oh, un élémental brut, alors élémental brutal inflammatoire. T'es où? Dans le mille. Voilà, côté mort. Ah, bien évidemment, n'oublie pas les. Non, toucher leurs fesses. Ah oui, faut pas. C'est pas. Ne faites pas ça dans la vraie vie, hein, les gens. Sauf si vous connaissez vraiment la personne. Et qu'elle est consentante, bien évidemment. Voilà. Ne touchez pas les fesses des gens. Vous aurez des problèmes. Alors. Voilà. Mon flingue, il fait trop mal. Par contre, si j'arrive pas à viser, je suis. Voilà. Alors, quel est le meilleur ami de Eero? Un chien. Il est où l'ennemi? Il a bugué, il est caché. Il a bugué. Voilà. Mais il a bugué. Bon, bah, tant pis. Tu penses que c'est un chien, toi? Ah, c'est un skag, apparemment. Je sais pas, je sais. Oula, d'accord. Ouh, c'est un bébé skag. Regarde, je suis un petit bébé Skag. Il est tout mignon. Il a un truc qui fait mal autour du cou. Il y a un collier en forme de. Ouais, m'approche pas toi. C'est un collier en forme de quoi ça? C'est. De disque qui coupe. Ouais, si circulaire, voilà. Ouais, ça. Alors, on peut penser à une référence au film nul, Wild West avec Will Smith. Alors, je n'ai jamais vu ce film, mais j'ai la ref. Il n'est pas si connu que ça, et il est vraiment mauvais. Oui, mais, C'est même un. C'est même un. Dans les films, le syndrome du Wild Wild West. Tiens, je vais prendre le fusil à pompe. Où le méchant, il veut tuer les gentils, mais il fait justement ce truc des disques, là, je crois. C'est ça? Ouais. Au lieu de les tuer tout de suite. Mais non, j'ai juste. La scène me dit quelque chose où il court. Parce qu'au début, je pensais que. Enfin, moi, ça me faisait penser à Men in Black. Juste parce qu'il y avait Will Smith qui était en costume. Okay, Men in Black qui ont très mal vieilli, je trouve. Bah oui. D'époque. Enfin, c'est surtout le récent Men in Black qui était pas ouf du tout. Je l'ai pas vu celui-là. Il est vraiment pas ouf. Hein. On sent qu'ils ont voulu tenter un reboot, mais c'est ça passe pas. On sent que c'est trop vieux Men in Black et que. Fais comme moi, Jake, saute, comme ça ton personnage il va faire que des bruits. Et maintenant, on ferme les yeux. J'ai l'impression qu'on va un peu plus vite, non? Ouais, peut-être. Enfin, en général, dans certains jeux, c'est des techniques de speedrun de faire ça. Ouais. Après,
C'est peut-être parce que quand tu sautes, ça change ton FOV en fait. Mais de mémoire, ça change rien. Toi, je veux plus, toi, je veux plus, toi, je veux plus. Alors, donc c'est aller rendre la quête à Earl, aller la rendre la quête à New Haven, et bah, on va faire la quête principale, qui est de détruire 4 patrouilles de bandits, faire une infiltration et tuer le baron Flint pour récupérer valeur. Bon. Ben, en passant par ici. J'ai pas l'affichage de la quête. Bizarre. Je vois pas la quête. Oui, c'est vrai. Oui, je suis chou. Alors, la quête, elle est où? Alors, faut aller où? Faut aller où? Ah, bah tiens, il y a une autre quête. Attends, je suis en chargement. Nouvelle maison. Eh ben, on va aller faire celle-là. Y'a un claptrap. Oh! Oui, oui. Il y a des pics. Tu l'avais pas vu? Non. Regarde, il y a des pics, il y a une scie circulaire et tout. Ah, il est dangereux lui, hein. C'est le méchant du. C'est le boss final, c'est ça? Captop? Non. Ce sera le boss final dans le dernier DLC. Sérieusement? Ah, oui, oui, c'est. Le dernier DLC s'appelle la. C'est la révolution des Claptrap. Et le boss final sera le Claptrap Ninja Interstellaire, si je dis pas de bêtises. D'accord. Voilà. Tu verras, c'est les monstres sont débiles. C'est des Claptrap avec des cerveaux. Des genres, je sais pas si. Dans quel film c'était c'est un genre de. En gros, ils ont des cerveaux juste au-dessus de leur tête. Dans des bocals en formol, enfin. Là, comme ça, je dirais Mars Attack. Ouais, voilà, c'est à peu près comme Mars Attack. J'ai détesté ce film. Ah moi, j'ai bien rigolé. Je l'ai vu quand j'étais gosse et il m'a traumatisé. Ah oui, bah, faut aussi. Ouais, c'est sûr que c'est pas un film pour gosse, ça. Bah, ça, en vrai, c'est un film tout public, hein. Mais moi, il m'a traumatisé. Ouais, enfin, tout public, quand tu vois que. Ils explosent le. Enfin, ils transforment les. Enfin, déjà la colombe, quand ils crament la colombe. Oh, pardon. Quand ils crament la colombe, quand leurs têtes elles explosent, quand ils brûlent les différents. Enfin, ici, à droite. Quand ils brûlent les différents. Comment ça s'appelle président. Enfin, chef d'État. On va aller au point là-bas. Là-bas. On va aller prendre la quête. Ah ah, tu t'es pris un caillou. Comme moi. Hop. Mais. T'as vu, c'est compliqué hein, ces voitures là. Voilà. Vous êtes recalé, monsieur. Stop ! Ouais, c'est dit. Le panneau des primes. C'est ici qu'elles vivent, les bagnoles. T'en veux une ? Il est au-dessus, le panneau des primes. Alors, si je passe par-dessus, ça va pas le faire. Alors, le petit panneau des primes qui nous donne la quête. Qui nous donne trois quêtes. Appa et Arnaque. Aller à la nouvelle maison et Machine Gun. Et si tu veux, il y a une. Une machine pour vendre des armes, mais pour moi elles sont toutes pas ouf. Alors, les quêtes. Sad Flag, c'est en même temps. Et on peut les faire Trash Coast. Trash Coast, pardon. Bah, c'était là où on était. Donc on peut retourner là où on était. Tu veux faire un Mario sur la voiture? Non, c'est bon. Je te laisse conduire, je dois absolument répondre à un message. Vas-y, y'a pas de soucis. Sérieusement. Ne moquez pas le chat. Je vais aller tuer ceux-là. Je vais me défouler.
Il est là. Hop, voilà. Hop, tout là-bas. Faut charger en. On recule. Ah, le petit Altab. Non, non, je répondais à un message sur le téléphone. Ah, je pensais que tu avais fait Altab. Non, 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 sur. Bon, non. Quand je suis sur un jeu comme Borderlands, je fais surtout pas d'Altab, non. Surtout pas. On a plus de Jack pendant une demi-heure, sinon. Ah, bah ça, c'est sûr. Alors, donc là, on retourne où on était. Ah, entre les cailloux. Ouais, entre les cailloux. Et alors, il y a une quête, c'est on doit tuer quelqu'un, et il y a une autre quête, on doit récupérer un abdomen de reine hyménoptère. Je vais pas regarder les détails de la quête, mais au moins. Comme ça, on aura fait à peu près toutes les quêtes. Et la deuxième quête, la troisième quête secondaire qu'on a récupérée, c'est dans la même zone. Je me dis quand je peux lancer le TP. Hein. C'est dans la même ah zone. Ah oui, oui, vas-y, vas-y. C'est dans la même zone où il y a la quête principale. Donc, on saura autant faire tout d'un coup. Alors, par contre, là, je sais pas du tout si les boss ils respawnent dans leur zone. Je sais pas du tout. Alors, la nouvelle maison. La nouvelle maison, c'est par là-bas. Et l'abdomen, c'est par là-bas. Et ben, la nouvelle maison, c'est plus proche. C'est parti. On doit les tuer. On doit les tuer, Bleeder. Ok. Alors, puis pourquoi on doit tuer Bleeder? Alors, je vis à New Haven, mais j'en ai ras-le-bol d'avoir une bonne femme comme chef. J'avais un petit terrain en vue sur Trash Coast. Le problème, c'est qu'une bande de fauchards traîne dans ce coin. Surtout un grand balèze, Bleeder. Vous les tuez tous, surtout Bleeder, et je mets les voiles aussi sec. Ok. En gros, c'est pour aider un mec qui est pas content qu'il y ait une femme au pouvoir à New Haven. Ah, on a une compagnie. Ouais. Je les avais oubliés, ou. Hop. Un coup de fusil à pompe dans vos têtes. Ça fait toujours plaisir. Ah non, je vais dire Splitter, c'est là où il y a les bandits, mais non. On va tuer des insectes. Il n'y a pas de musique. Alors, où qu'il est, Bleeder? Ah, bah non. Ah si, oh. Juste une fauchère d'explosif, c'est tout. C'est ça la quête de fou. Ah d'accord, Bleeder c'est une fauchère volante. Ah, j'arrive. On arrose et on les crève. Ouais. Hop. Je reste dans la zone. Alors bon. Ouais, c'est bizarre, tu peux les prendre. Alors voilà, c'était juste ça la quête. Et il y en a une autre. Bonjour monsieur. Alors la quête et la deuxième, elle est là-bas. On doit aller tuer. On doit ramener un abdomen de reine hyménoptère. T'es où? Je suis là. Ah. Je suis en train de faire un mi-ami avec un plaisir. En plus, c'est un coffre. Oula, oula, oula. Allez. Pourquoi j'arrive pas à tirer? Je suis en train de te raise, non? Même quand tu me restes, normalement, tu suis censé pouvoir. Ah oui, normalement. Pas quand tu restes, je crois. Si? T'es sûr? Je sais plus. J'ai le claptrap qui est en train de bouger. Voilà.
On va tuer ces deux là. Ça donnera la régène de vie. En plein Il y en a encore un ou pas? Ouais, il y en a encore. Attends, le coffre d'abord. Le ravitaillement est toujours bienvenu. Alors, des... Super. Oh, je un flingue meilleur que le mien. On va tester. Oh oui, j'ai fait. Et en plus, il y a plus de munitions. Et oh la vache, il se recharge beaucoup plus vite. Ah non, mince, il faut faire le tour. Je pensais qu'on pouvait passer, mais non. Oh, il faut faire tout le tour. Je suis triste. On doit faire tout le tour. Hop. On va voir si ça nous fera des... Cible touchée. Je dois une chose. Ah, leur point faible, c'est le... C'est où il y a les yeux. D'accord. C'est leur tête en fait. Un peu comme tous les autres. Mais... Tu vois, t'as un genre de. Je sais pas oui, si tu vois le petit point violet. Un coup dans le mid. Il y en a beaucoup là, chez. Après, c'est pas trop de dégâts. Mais... vas-y. On va faire tout le tour. On va les récupérer. Pourquoi ils ont pas obligé de les tuer hein, vu qu'ils donnent pas beaucoup d'XP. Autant rush la quête. Si on fait un arrêt vente ou pas. Ou on le fait là. Il te reste beaucoup d'espace. Moi j'ai que 4. T'es encore dans le 36 par 36. Oh oui, bon, c'est bon. Il y a une machine sur le passage, oui, sinon non. Ouais, non, comme il faut, frère, il faut faire un tour. Ouais, non. Ça va, moi j'en ai que 4. Donc alors attends, 32, 42, et on doit... Oh, ça a dû faire mal. Donc il manque encore 2 claptraps. Parce que les claptraps d'habitude ils donnent 4 d'emplacement. Mais... comme il y a le succès avec les 42, oui, c'est bon, quoi. Hop. Ah ouais, oh, un sniper corrosif. Faut que je teste lui. Dans le mille. C'est par là, c'est par là. Pas de bêtises, ouais, c'est pas rien. Ah non, il faut faire. Non. Attends, il faut faire vraiment tout le tour, tout complet ou quoi? Ah oui, il faut vraiment. Oh, attends. Ah mais non, mais c'était pas là qu'il fallait faire le tour. Oh, oh, quoique. Ah si, on peut y accéder par là. Ah si, c'est bon. En fait, on fait un tour énorme, mais. Ouais, tu peux les laisser se battre. Hein. T'embête pas. Il faut faire un tour de malade, mais c'est pas. On peut passer par là. Voilà. Il faut monter. Donc c'est par ici. On peut sauter. Hein. Et du coup, on prend le cut. Cut. Et voilà. On aurait pu faire tout le grand tour, mais bon. Alors, il faut trouver un abdomen de reine hyménoptère. Alors. En effet, elle, non. C'est elle. C'est la reine. Ah,
pas mettre ta... J'essaie de te lire. T'as pas été fermé. Allez, on sort l'eau. Mais il me pousse. Il me repousse. Allez. C'est bon. Bon, elle est morte. Allez, maintenant, les sous-fifres. Elle est morte, hein. La reine est morte. Mais elle bouge encore. Non. La vache. Mais ils font trop mal. Et où? Là, il y a une deuxième reine. Ah, c'est bon, je peux me briser. Voilà, j'ai une raise, je me souffle. J'arrive. Mais la vache! Plus qu'une. Hop. Et eh ben. Ouais, vache. Non, il y en a encore un. C'est bon. Ah, je sais que ça fait mal. Alors, abdomen. Alors ça, c'est un bouclier. Oh, régénération de santé rapide. Ouais, pas mal. Eh ben, l'abdomen, il est où? Ah, il est là. Comme arracher des ailes d'une mouche, c'est indémodable. Échange des abdomens. Voilà, c'était juste ça la quête. Alors, du coup. Allons chercher les machine guns. Voilà. Bon, j'ai dû quand même sortir le lance-roquette. Hein. Alors, bah c'est parti. On a juste appuyé tout droit. Limite, on fait une macro juste pour courir. Allez, on va sauter. On va avoir l'illusion de courir vite. Alors. Oh, tu passes. Je fais du parcours. C'est pour éviter les mecs, mais... Parce que je sais pas si on peut traverser. Ah oui, non, si on peut traverser. En plein dans le mur. Hop. Et voilà. Oh, une arme. Oh, on dirait le flingue de Han Solo. L'image. Là, c'est juste une munition, c'est pas ouf. Allez. Et je crois que c'est. Bon, on va descendre. Et là, on va faire la quête principale où on aura le boss Flint. Qui va revenir dans Borderlands 2 de mémoire. C'est son fils, je crois. Donc là, il dit zone à boss, dit un nouveau claptrap, sûrement. Nice. Il n'y a pas la zone pour TP. Oh, déjà, je vais revendre notre équipement. Hop! Alors, Middle of Nowhere. Ah, parce qu'on a toujours pas la... Tu me dis quand c'est bon. Hein.
Alors j'ai une TP à l'endroit où on va pouvoir rendre les quêtes. Les deux des quêtes et après il faut juste faire de la voiture pour débloquer la zone. Donc on a les deux quêtes à rendre ici. Open les plumes. Alors, Dieu a pitié de mes ennemis, moi pas. Un flag qui s'appelle Patton. Et un sniper qui, comme pour nom, crack. Enfin, pas un nom, mais... Alors, Patton. Qu'est-ce qu'il fait, Patton? Oh oui, c'est vraiment le flingue... Le flingue de cowboy, celui-là. Sur ça, ils l'ont bien modélisé. Et le sniper... Oh, il est rapide, lui. Il pourrait t'intéresser, le sniper, je pense. Je l'aime bien, celui que j'ai déjà. Oh, attends, c'est moi où j'ai vu un... Un lance-roquette à 1045 de dégâts. Rigole. 1045 et il fait des dégâts corrosifs. Alors attends. Ah, c'est. Ah oui, d'accord, c'est. C'est un missile. Qui vise au sol. Enfin, j'ai qu'une balle après. C'est ça le truc. Et du coup, là, on prend la voiture et on va aller tuer des bandits. On y va. C'est parti. Autoloc. Je grimpe. Averti, Monkey. Ah. C'est par là. On n'est jamais allé là. Flint, mais je l'ai licencié pour incompétence aggravée. Lorsqu'il est parti, il m'a dérobé un fragment après avoir frappé mon... Alors, c'est pas ce qu'il a frappé, Jake. Ça fait exprès. On ne sait pas ce qu'il a... Je me suis vu appuyer, j'ai vraiment pas fait. C'est pas grave. Oula, il va quand même prendre la zone. Alors, il y en a une quête au milieu, claptrap au sale flats, ok. Là, et la quête de récupération du machine gun, elle est où il y a le claptrap. C'est parfait. Alors là, il va falloir tuer des bandits, des patrouilles de bandits. Bon. Et après, on va devoir... Voilà, c'est ce que je voulais pas faire, en fait. Ouais, ils font des dégâts. Oh, le combo. Oui, c'est vrai, je peux taper à la mitraille. Oui. Aïe. Tu peux lancer ta compétence en... Non, elle était déjà lancée. Ah oui. On a plus de voiture. Debout maintenant. Ils sont où les méchants? Il y en a là. Paf. Te conseille la retraite. Non. Ah, c'est bon. Hop, merci. De la vie. Ils font mal, hein. On sent que là les mecs ils ont notre niveau. Hein. Du coup, bah c'est parti. C'était même pas une patrouille. Bon, on va continuer à pied. Je pense qu'il doit y avoir un autolock là-bas. J'espère, sinon il faut faire demi-tour. Oh oui, c'est un autolock ça. Non, c'est une station New U. Ah mais il y a un autolock à côté, ça va. Sinon on aurait galéré à faire tout le chemin pied, je sais pas si t'as vu la taille de la map.
Bah mais pour l'instant non. Mais ça pique hein, si tu fais un tab, tu vas regarder la map, ça pique. Ah ouais non, c'est pas le même perso que dans Borderlands 2. Et on va bien s'amuser jusqu'à ce que tout ton sang trempe le sable et que ta carcasse soit juste bonne pour les hacks. C'est pas du tout le même. Ouais, je l'ai... Je me demande qui... Oula, encore. 77, oui, m'intéresse. Je lui fais gagner 2-3 points de vie ou un truc comme ça. Ah non. Hop, on peut le vendre. Alors ça, je lui ne sert plus à rien. Par contre, Patton, il est... Je vais le garder, Patton. C'est stylé. Il est où le talk? Elle est là là-bas. Hey, on y va. C'est parti. Donc là, on doit tuer les patrouilles. Attends, j'en ai vu une là. Je vois le point rouge. Mince. Là, vas-y. Hop, une de fête. Plus que trois. Alors, il faudrait voir où est-ce qu'elle spawn. Je trouve l'endroit de spawn. C'est ah, là-bas. Parce que après, je suppose que c'est là qu'on va te voir. Hein. Alors, c'est une web. D'accord, le jeu. Le bot qui est bugué, quoi. Vas-y, Jack. Hop, en plus qu'une. Petit cimetière. Vise le sol, ne vise pas eux, vise le sol. Attends. T'as plus de voiture. Il va pas de... T'es un fou. Ouais. Ah, il n'y a pas de tout à côté. Cible touchée. Ouais, ils ont des grosses têtes, les nabos. En plein. Oh, et je suis dessus là. Hop. Il y a pas un coffre. Je sais pas. Je sais qu'il y a un coffre. Du coup, il faut qu'on... Il y a des petits coffres de munitions, si tu veux. Ouais, non. Faut qu'on chope un autolock. L'autolock le plus proche, il est là-bas. Je vais le chercher. On a plus qu'une voiture et après, je suppose qu'on doit infiltrer ce truc, là. Ça c'est la voiture. J'ai trouvé la dernière voiture. Hop. C'est ici que les bagnoles vivent. Voilà, rangez ta tire. Je grimpe. C'est vous qui avez commandé un taxi. T'as attrapé au vol. Ouais. C'est pour ça que j'ai ralenti. Je sais jamais. Bah, ils sont. Ah, ils sont là. Ils sont cachés. Regarde. Il a réussi à nous exploser la voiture alors que... Hop. Et du coup là on peut infiltrer la base. Là. Ça force l'admiration. Oh, dans mon âme.
Pouf. Voilà. Et du coup, on peut aller dans la zone qui est maintenant débloquée. Et dans cette zone, normalement, c'est là où on a les pièces de d'armes. Donc on va récupérer sûrement aussi des pièces d'armes. Et avant ça, on va aller sauver le claptrap. Petit claptrap, où tu es? Il est là. Oh ouais, je suis petit de réparation, il est juste à côté. Alors, ils font des dégâts, mais... Attends, petit de réparation. Dans le mille. Hop, la vache. Dans le mille. Alors le kit de réparation, il est là. Hop, ça me fait 4 emplacements d'inventaire en plus. Et il faut récupérer les trucs de cuillasse qui doivent être dans le coin. Hop, n'oublie pas de prendre l'amélioration de ton sac à dos. Récupérer des pièces du machine gun. Une. Ah oui. Cible touchée. De tuer les mecs avant. Plus la zone elle est grande donc Hop, ils sont morts. On prend les munitions. Alors t'as trouvé quoi? T'as trouvé le canon. Ouais, le canon, ouais. Ouais, le canon. Du coup. Il me reste les autres parties. Alors, il était dans quoi? Dans une boîte? Dans une... Il était sur le toit à l'entrée. Ah, ok. Là, j'ai vu une espèce de rayon fait, un faisceau vert. Ouais, la lumière verte ouais, pour les quêtes. Ouais. Okay. Wouh! Ça en fait un autre! C'est long, lui. Ouais, bah, c'est les mutants, hein, les sadiques mutants, c'est toujours mal. Alors... Ça fait du bien. Donc là, c'est pour récupérer une mitraillette, je crois, ou une... aussi. Oh bah. Rouge. Ah oui. J'ai encore de la. Alors, oh, des fusils à pompe. Non mais c'est notre coffre, qu'est-ce qu'il fait lui? Cible touchée. Bah, tu peux prendre les deux si tu veux, parce que moi ils sont moins bons que le mien. Mes armes sont c'est moins bons que mes armes. Alors c'est en dessous qu'il faut aller. Bah, je suppose que pour tuer Flint c'est en dessous. Donc là il y a un corps en coffre rouge. On en a jamais trop. Par contre les cuillasses. Alors c'est des flingues qui c'est donnent. Un bon Noël. Hop, je te laisse en prendre deux. On va pas utiliser l'ascenseur de suite. Et sinon on va aller se battre contre le boss. J'aimerais bien regarder si on trouve pas d'autres morceaux de l'arme. Mmh. Ah ils sont dans la zone de toute façon. Ouais, ça me paraît bizarre que qu'on en ait pas vu d'autres.
Techniquement, elles doivent être dans le cou. Enfin, elles sont visibles l'une de l'autre. Rouge. Encore. Encore. Je peux pas rentrer. Je peux pas rentrer. Faut t'accroupir. Comment on fait? On appuie sur C. Jack, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que je vais casser ce truc. C'est un fusil. Ah, c'est une arme méridienne. Bon, tu peux la prendre. C'est une arme méridienne. J'ai même pas envie de l'essayer. Elle me fait peur. Alors. Mais elle tire à l'infini. J'ai besoin de recharger. Et en fait, elle tire avec de l'énergie. À l'infini, comment ça, à l'infini? Tiens, je vais te montrer. Il est où? En fait, c'est une arme qui. Les armes méridiennes tirent avec de l'énergie. Donc, en fait, tu peux tirer à l'infini avec, t'as pas de munitions. Mais il faut juste attendre que l'énergie se recharge. D'accord. Et ça fait un petit faisceau électrique. Oh punaise, je suis de. Les culasses. Tu la veux? Oh non, tu peux le prendre. Bah après. Tu peux le prendre, ça améliore l'arme, l'expertise pour les armes méridiennes. Mais tu peux la prendre. D'accord. Soit on va en trouver d'autres après, donc t'inquiète pas. Si tu veux pas la prendre, tu la prends pas. Hein. Plus, oui. Mon dieu, je parce que je viens de trouver. Dans tout ce qu'on vient de loot dans la zone, là, je viens de m'avoir quand j'ai un snipe meilleur que celui que j'avais et je me sépare de mon snipe super beau. Ah. Tant pis. Au revoir, snipe super beau. Et l'arme méridienne, je vais enlever ça. On va voir. Hein. Bon, bah, je pense que les autres morceaux de flingue là pour la cuillasse et tout, ils doivent être peut-être dans la zone du boss, c'est pas possible autrement. Tu penses? Bah, je les vois pas. Je les ai pas vus non plus, mais dans la zone du boss. J'essaie de regarder, mais je les vois pas en fait. Alors après peut-être que le. C'est peut-être une zone de boss mais avec des couloirs et tout. Mais. Tu peux acheter des munitions si tu veux. Ah oui non mais c'est l'arme méridienne, mais comment ça se recharge? Ah avec le temps, d'accord. Ouais, avec le temps. Oh mais c'est super long. Oui. Mais c'est infime. Bah ouais, parce que là je suis en train de regarder. Je suis en train d'essayer de tout ouvrir pour. Ouais. Ok, je suis bloqué. Ah, c'est bon. Bah tant pis, on va aller faire le boss. Sûrement doit être. Il doit sûrement être en haut. Vas-y. Bah, je t'attends du coup. Et du coup, on va choper le dernier fragment de la clé de l'arche. Et c'est parti, mon kiki. Ah, un avis. Mets-toi à l'aise. Mes hommes s'occuperont de toi. Je ne voudrais pas qu'on dise que le baron Flint n'a pas le sens de l'hospitalité. Les panneaux trop bols. Tout. Après, peut-être qu'on va aller tout en haut. Peut-être que les pièces sont là, dans ce coin-là. Ah oui, non, c'est. Ouais, voilà. Alors c'est pas le même Baron Flint, mais je crois que c'est le même perso que dans Borderlands 2. Mais dans Borderlands 2, il n'y a pas du tout cette tête-là. Hein. Il y a une ordonnance pour ça. J'ai pas compris. C'est un jeu de mots. Oula! T'as fait que pour faire autant de vie. Trois petits. Les trois sadiques qui t'ont mis comme ça? Les trois en même temps. On va pas au corps à corps. Hop, le joueur fait les trucs du culasse.
Alors c'est peut-être des vagues. Ah oui, c'est des vagues. Attends, y a un énorme mutant qui suit. Ah oui, d'accord, les sadiques qui font très mal au corps à corps, c'est vrai. Sérieusement. Attention parce que plus tu tombes au sol, plus tu ta barre elle baisse. Hein. Oula. Il sort d'où lui? Oui, faut tuer France, hein, faut tuer France. France et Hans. Oui. Ya. Parce que nos pépères, il y en a qui tirent avec les lance-roquettes, hein, si jamais. Petit bug abuse, désolé. Est-ce que la noix se cache? Oui, non. La vache, France et Hans, ils font mal, hein. Oh, ok. Alors, mitraillette. Il sert pas trop. Alors. Il est où? Ah non, c'est le boss qui balance des roquettes, ok. Et besoin d'un infirmier. Ah oui, d'accord, c'est quoi son arme cheatée là? Je compte le boss, hein, j'ai 6 points. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ouais, c'est quoi? Je l'ai tué et ça m'apparaît. Et moi qui l'ai tué. Ah, c'est toi qui l'as tué, d'accord. Oui. Comme ça, je me suis dit, c'est au moment où je tirais dessus. Donc, attends, le fusil à pompe, c'est celui qui balançait les missiles, hein, si jamais. Ouais, vu comment il m'a fait peur, non. Ah non, mais il pourrait être pas mal. Hein. Ah, par contre, attends, il y a des... Il y a des gens là-haut encore. Ouais. Hein. Par contre, du coup, je trouve pas le... On a pas vu les pièces d'armes. Super. Je m'y attendais pas. Si on... On peut monter là, on monte là. Ah, regarde. Tu arrives, Jack? Vas-y, Jack. Saute! Et hop. C'est là où il y a la clé de l'arche. Donc on a trouvé le dernier fragment, et du coup... Trouver Tanis, où qu'elle se cache. Tanis vous a trahi, je sais pas ce qu'est... Oh là, ce que c'est derrière la tête. Mais elle a dû décamper de son site de fouille. À vous d'aller récupérer votre clé de l'arche. Et d'obtenir des réponses. On doit trouver Tanis. En hauteur. Le roi du monde. J'essaie de... La lance écarlate va avoir une mauvaise surprise et apprendre une... Il y a encore un ennemi? Oh non. 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 Ça ne devait pas se passer comme ça. Attends. Ici le commandant Steele de la lance écarlate. Ah, ne saute pas. Ceci est une... Oh, je la vois. En prévision des prochaines... Je l'ai vu. Oui, mais alors ne saute pas. Qui sont tu meurs. Toute tentative pour contourner notre contrôle sera punie de la peine de mort. Mais oui, comment on... Je fermerai également le réseau commercial. Ceci est le dernier. Du coup. Où est la sortie? Elle est ici. C'est là, c'est ici. Les commandes ne fonctionnent pas tant que... Ah oui, tant que les joueurs ne sont pas sur le monde de charge.
Est-ce que Steel est devenu dingue? Il ferme le système écho et maintenant on signale des échanges de tirs dans tout sanctuaire. C'est la guerre là-bas. Sanctuaire est pilonné. Ils envoient des messages de détresse sur toutes les fréquences. Mais si la lance bloque écho, je ne vais pas pouvoir. Voilà, donc en fait, là, t'as compris l'histoire ou pas? Non. Bah, il y a deux camps qui font la guerre. Ouais, mais en fait, on a récupéré la quatrième pièce, sauf que la quatrième pièce, c'était Tanis qui l'avait déjà. Donc elle nous a menti. Et en fait, derrière, t'as la commandante Steel, donc celle de Dahl, la méchante de Dahl, qui est en train de bombarder Sanctuaire, New Haven, en fait. D'accord. Et du coup, c'est pour ça que là, les méchants, c'est des défenseurs de la lance. Parce que c'est. C'est super. C'est des méchants de la lance écarlate. Et du coup, il faut qu'on aille chercher la pièce. Là-bas. Je te suis. Juste. Tu es l'autre. Ah, je clique. Alors, je te suis. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Nous devons trouver toutes les pièces de l'arbre. Allons-nous y arriver? Un coup dans le mille. Des nuls ou deux? Bien ça. Alors elle est où? C'est moi? Oh! T'as un truc légendaire là. Ouais. Deux balles font la différence. Une mitraille légendaire. Sur un toit par là. Deux balles. Là ici sur ce toit là en face. Ouais. Alors. Ah oui, je le vois maintenant. Alors du coup, il faut sauter. Comment on fait pour monter? Ah oui, là. Tu sautes par là. Tu sautes par là. Vas-y, vas-y. Alors, ensuite. Elle est où la... Non, qu'on est trop... Alors, attends. C'est quoi, du coup. Alors, attends, faut que je bloque mon flingue, parce que ça, je m'en fous. Ça, c'est mon fou. Il y a pas de direction. Ça c'est intéressant. Là. Les modes de grenade ils sont pas ouf, hein, franchement. Les boucliers rechargement rapide, grande capacité. Voilà. Alors, oula. Alors du coup après il faut trouver les autres pièces. Oh là, ils sont beaucoup, oui. N'hésite pas à utiliser tes grenades, hein. Ah ouais. Je te l'ai dans le temps. Alors. Ouais. La mitraillette, apparemment, elle tire juste deux balles. Et c'est bien, maintenant il donne de l'XP. Ouais, mais arrête de te protéger avec ton bouclier. Ah, mais d'accord, c'est un défenseur brutal. Je te dis là. Là. Je me dis, c'est bizarre, il prend pas ses dégâts, mais ouais, c'est un brutal. Ouais, bah en fait, la mitraillette. Oh là, que j'ai fait. La mitraillette, elle est pas ouf. Elle est pas ouf. Tu l'avais ou pas? Non, non, je l'avais. Je vais regarder parce qu'elle est légendaire. Bon, du coup, au niveau quête. Il manque les objets encore. Ouais, c'est pour ça. Il en manque deux. Voilà, pour y trouver. Ah, j'en ai trouvé un. Donc il n'y en manque plus qu'un. Allez bouger, allez bouger.
Donc j'en ai trouvé un, il manque plus que la cuirasse. Ah, j'ai trouvé. Oh la vache. GG. J'étais sur le toit en train de regarder le sniper. Voilà, elle est là. Il faut monter là. Sûrement il y a la technique, mais ça passe. Voilà. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? T'es bloqué. Attends, on peut aller vendre nos armes. Vu qu'ici il y a les distributeurs. On peut prendre de l'insta santé aussi. Supre. Je... Non. Voilà. Lui il me sert à rien. J'ai vendu Patton. Ah ouais, j'ai vendu Patton. Longtemps. Ouais, ça c'est les doubles, la mitraillette, Equalizer et les brutales. Ah non, j'ai pris Patton, mais ouais, c'est ça, je me dis, mais ouais. Patton. Oui, voilà. Donc, nos quêtes. On va rendre nos quêtes secondaires ou pas? Attends. Je change de grenade. Vas-y. Du coup, il n'y a pas une station nulle. Elle est où la station de TP? Je pense que c'est bon. La station de TP, elle est là-bas. Ok, bah du coup, on peut sortir. On va prendre la voiture. On va aller rendre nos quêtes secondaires. Et comme ça, on va faire la quête, on va finir la quête principale. Ok. Et du coup, on va pouvoir finir le jeu. Donc on a le générique aujourd'hui en fait. Oui. Enfin, je sais même pas s'il y a un générique à la fin. Bah oui, dans tous les jeux. Pas dans Borderlands. Ah, c'est un minimum t'as, de crédité. Alors, dans Borderlands 1, t'as une cinématique. Je crois qu'il doit avoir une cinématique. Borderlands 2, c'est sûr, t'as une cinématique. Enfin, dans tous les autres jeux, t'as une cinématique, mais t'as pas de crédit. Hein. Mais c'est une règle quand même de créditer toutes les personnes qui ont bossé sur le jeu. Bah ouais, mais quand tu fais dans le salon, tu as les crédits, je crois. Oui, mais c'est pareil, comme dans tous les jeux aussi. Mais se dire qu'à la fin on a un générique, c'est pour dire on a terminé une histoire principale, c'est une grande étape. De mémoire, de ce que je me souviens, ça fait une cinématique et après tu reprends le jeu tout de suite. C'est la cinématique de fin et après tu reprends le jeu, puisque techniquement tu n'as pas vraiment fini le jeu. Alors, on a chopé une mitrailleuse. Mitrailleuse qui fait des dégâts explosifs. Qui est un peu inutile. Hop. Et on a chopé un niveau. Ah non, non, pas moi. Pas encore. On va améliorer ça. Alors du coup, l'autre quête secondaire, c'est trouver le secret, l'ami secret, oui, rendre l'ami secret à Earl. Tu dis quand on est bon. Oh. Hop. Alors sûrement, je crois que de mémoire, on doit le nourrir après le meilleur ami, ou on doit le promener. Ça débloque d'autres quêtes. Le promener. Ah mais je crois que c'est ça en plus. Hein. Je sais que, alors je sais plus si dans Borderlands 1 ou 2, à un moment t'as un système à peu près pareil où t'as un skag, tu sauves un skag, et t'as 2-3 missions où tu dois lui trouver à manger, le promener parce qu'il s'ennuie, etc. Et à la fin il part, et je crois que 2-3 missions après, en fait ça devient un énorme skag. Qui fait 3 mètres, des trucs comme ça. Donc là on a chopé. Alors Raclure, t'es rentré à la maison, qui sait qu'il y a un bon garçon, c'est Raclure. Putain, il a appelé son skag Raclure. Ah bah non, ça fait pas de sous-quête. Bon bah plus que la quête à New Haven. Alors, est-ce que New Haven va être bombardé comme elle dit, ou est-ce que ça va, entre guillemets, t'as un genre de phasage de quête?
sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, je vois. Normalement, oui. Alors, est-ce qu'on se fait bombarder ou pas? On va le voir tout de suite. Eh bien non! Et c'est un non! Donc pas de phasage. Tant pis. Alors. Ah, t'as gagné ton niveau. Ah oui. Comme ça on peut attaquer le dernier niveau. Enfin la fin du jeu full level. Tu me dis quand on peut y aller? Je me suis mis un petit point de Paris. Oui, je vais changer les couleurs de mon personnage. Ok. Donc, comment ça j'ai un niveau. Oui. Alors attends, il faut aller où? Tanis, vous êtes traîné, nanana. Allez récupérer bien les réponses. Parce que bien sûr, il nous donne pas le. Bon, ben on va aller là. Je sais pas si c'est par là qu'il faut aller. Parce qu'il nous met pas le point en fait. Il nous met pas le point dans la station New. C'est peut-être pas là. Hein. Alors la carte. Il faut changer de zone. Rust Command West. C'est Rust Command West. Donc, hop, on retourne où on était. Ah, c'est... Non. Faut aller à l'emplacement de Tanis. Hop. Alors, on doit aller où? Objectif des réponses. Sortie vers Salle Flat. Ah bah, on retourne où on était, en fait. On va gagner du temps. Salle Flat. Quand on retourne, ou en fait, il fallait pas qu'on sorte de là. Et il faut aller où? Ah d'accord, oui, il faut aller dans une zone qu'on n'a pas encore vue. Ok. Autolock. Là, on doit. J'ai une question. Oui. C'est parti. Les DLC, toi tu les as, mais moi je les ai pas, je crois. Si. T'as acheté, c'est la GOTY Unlimited. Ouais. Donc t'as les DLC. C'est sûr. Oui, oui. La GOTY Unlimited prend. C'est la définitive édition. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est la définitive édition. C'est quoi ça? D'accord. Prend automatiquement. Non, techniquement tu dois avoir les DLC. Au pire, on fera un test. Avec la station New. Non, mais au pire, j'irai regarder la liste de DLC. Mais alors, je sais pas. On peut pas passer. Je sais pas si on peut la voir affichée, la liste de DLC. Oh, on verra. De toute façon, tu le vois dans la station New, si tu peux te TP. Mais attends, mais je crois que j'avais pris un bundle de Humble Bundle, donc je dois tout avoir. De quoi, Borderlands? Bah, il me semble. Bah, si t'as la GOTY, comme c'est la Game of the Year, c'est sûr que t'as les DLC. Ok. Après, Borderlands 2, je sais que j'ai tous les DLC, et il y en a énormément des DLC sur Borderlands 2. Parce que t'as les DLC, en gros, grosse quête, et après t'as les DLC type Saint-Valentin, Halloween, Saint-Patrick... Ah. Ça fait, c'est quand même avec des quêtes, hein, mais c'est, t'en as pour une à deux heures entre guillemets. Mais tu sais que t'as Saint-Valentin, Saint-Patrick, Thanksgiving, Halloween. Je crois que c'est tout. Mais comme là, la Thanksgiving, c'est un truc avec Monsieur Torque. C'est un des personnages phares de la licence.
Et tu dois te battre contre des dindes mutagènes. Enfin, c'est un genre d'arène. T'es dans une arène et dedans, tu as la meilleure quête de tous les Borderlands qui est d'écouter la grand-mère de Monsieur Torque. En gros, la quête, c'est juste... C'est pour ceux qui aiment pas écouter les quêtes, c'est littéralement une quête où tu dois vraiment écouter tout ce qu'elle dit. D'accord. Et elle fait que parler. T'en as pour, je crois, en tout, t'en as pour une demi-heure. Et elle fait que ça. Et à la fin, elle te pose des questions en disant, genre, qu'est-ce que j'ai dit? Etc. Et à la fin, tu chopes une arme légendaire. Si t'as répondu bon à la haute à toutes les questions. Ah ouais. Et bien évidemment, tu ne peux pas... tu ne peux pas recommencer la quête si tu tombes. Si tu dis la mauvaise réponse, bah tant pis quoi. Mais c'est Mamie Torque. Pas besoin de santé. Rouge. Ah oui, mais il est fermé. Ah non, c'est tout qui est ouvert. Classe sirène et mitraillette. Oh, tu peux prendre. Attends, il y en a derrière là. Hop. En plein dans le mille. Donc là, on va passer par les. Si je dis pas de bêtises, on passe par les mines pour pas se faire pilonner la tronche par dalle. Le corrupteur brutal, il est embêtant. Donc je regarde, c'est pas lundi que ça sort qui me c'est dans très très pas longtemps là. Ouais, je crois que c'est le 23. C'est lundi. Non, lundi on est pas le 23. Mercredi plutôt. Ouais, mercredi. Oui, y'a plus quoi, y'a de grandes chances que c'est mercredi. Oula, où ça sent l'arène de boss. Je sais pas si tu vois la minimap. Non. Eh bah, regarde ta minimap. Non, mais je peux pas la voir. T'as pas la minimap en haut à droite? Bah, allié, mais elle est toute bleue quoi, je vois pas. Ah, oh, ah oui, c'est vrai, parce que t'as mis en. Attends, deux coffres rouges à côté là? Bah oui, parce que je t'ai dit. En gros, tu fais tabulation. Je vais faire tab, ouais, alors attends. Fais tabulation, toi, voir. C'est quoi, c'est ça ce bouton? Ah oui, d'accord, ok. T'as vu la zone qu'on va se taper là? Ouais. Oh, attends. Yetata, yetata. Yo. Attends, je vais regarder mission Mamie Torque. Mamie Torgue, parce que c'est Monsieur Torgue. Mamie Torgue, Borderlands 2. Mémé Flexington, oui, c'est Mémé Flexington. Ah oui, voilà, c'est ça, au moins t'en as pour 45 minutes. Moi je trouve ça vraiment couillu, mais hyper intelligent de la part des devs de faire ça en fait. Non mais c'est un peu, comme là il y en a un qui dit « Mon PC tourne depuis une demi-heure et je suis qu'à l'histoire 2 ». Je crois qu'il y a 3 ou 4 histoires. Mais c'est ça fait vraiment... genre parce que en gros dans Borderlands, Monsieur Torque, c'est un mec mais ultra baraqué... mais vraiment c'est un 130 pack parce qu'il y a des muscles partout, il adore les explosions, sa grand-mère c'est pareil, sauf que c'est tu vois son corps juste avec une tête avec des bigoudis et tu te dis ouais elle va faire que ça aussi, genre te donner des quêtes de fou. Non, c'est juste elle parle, mais des fois des trucs qui servent à rien. Genre, elle te parle du beau temps... La grand-mère, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est... Ah, regarde. T'as compris ou pas? Quoi, cette Game Boy? Oh, putain, je connais ces appareils. C'est des vieux, vieux appareils enregistreurs des années 70-80, ça. Mais, ça, c'est l'enregistreur Echo. Oui, ça fait référence à des vrais enregistreurs. Ah oui. Mais côté de Tanis, tu te souviens ce que c'est, ça? Oui, c'est son mari. C'est son copain. Du coup, en fait, elle nous a trahis sûrement pour le sauver. Donc, voilà, normalement, un boss doit pop. La mort attend ceux qui nous résistent. Ah, bah, il y a la chef de la lance écarlate là-bas. Ah, génial, on va devoir la tuer.
Oui, on va la tuer sûrement à la fin. Mais bon, je pense que là, on va devoir survivre d'abord. Ah ! Garde royale. Il n'y a même pas de cinématique. Ah, eux, ils ont des armes héritées. Ils ont des protections. Ouh, en un coup. Ah bah wow. Oui. Surtout que, en plus, c'est. Voilà. Non mais sérieusement. Ah mais c'est une armée héritée. Et en plus, il y a de la réduction de dégâts. Ah, Maître McCloud. Ah mais c'est lui le boss. On peut les éviter hein. Pas trop... Hop, c'est bon. Il est mort, il est mort. Voilà, okay. Alors, un bouclier qui fait une Nova. C'est génial. Bon, ouais, on a même pas chopé son arme, mais. C'est moi qui l'ai. Ah, ouais. Tu l'as eu? Attends, c'est quoi? Le canon là, 10-10-10? Ouais, je pense, ça doit être ça. Oui, c'est l'arme iridienne en effet. Ouais. Dégâts 886, précision 91, cadence 04. Et c'est un quoi? C'est un fusil à pompe ou c'est une. C'est une arme iridienne. Bah. Moi je garde fais, c'est espace? Non, attends, c'est. Ouais, ouais espace. Tu l'as sélectionné, espace. C'est ça? Ouais. Okay. La vache! Attends. Ah oui, tu t'as pas une bonne vie. Alors, elle se recharge plus vite que le snipe, je trouve. Non. Mais. Ah oui, t'es pas obligé d'avoir la. Les munitions à fond pour que ça se recharge. Tu l'avais ou pas? Non, tu seras mieux la gérer que moi. Ok. Allez, je vais la prendre alors. Et là, on s'en va là? Non, on s'en va. Mais en haut, il y avait pas la dame? Bah si, mais on va aller la tuer. Là, on change de zone. Pour retrouver Tanis, parce que là le principal c'est retrouver Tanis. Okay. Alors du coup par contre on va acheter de la vie. Beaucoup de vie. Et par contre, on... par contre le nouveau classe de mode. Non ah bon oui, Ah classe soldat ouais. Ouais non. Alors, c'est vrai, t'as passé dessous? Si, si, si. 19. Par contre, je suis changé de mode de grenade, moi. Ouais. S'équiper avec ceci pour lancer une grenade adhésive. Pas mal, ça. Et du coup, bah, je vais monter mon expertise sur les armes méridiennes, alors. C'est parti. Bah, alors, du coup, ouais. Ah bon, on fera le test après. Pardon. Alors, elle fait très... Alors, bobos. Elle fait énormément de dégâts. Ah. D'accord. Mais elle fait des auto-dégâts. Tu vois? Ne glissez pas sur votre sang en vous levant. Oh là, c'est quoi cette visée pourrie? Il met longtemps à recharger. Hein. Il y a une gravité sur ces armes. J'ai l'impression que ça tire en cloche. Les iridiens? Ouais. Non mais c'est... Oh là. C'est... Oh, vache. Mon chargeur est vide.
T'es où? Derrière toi. Parce qu'en fait, elle, ça fait des autodégâts. Enfin, pas des autodégâts, mais et puis elles ont une cadence, fan, hein. Elles ont une cadence de tir vraiment pas ouf. Ah mais il y a le clap. Il y a plein de clap-trap. Ouais. De toutes les couleurs. Ils sont tous morts. Le kit de réparation du clap-trap, il est où? Il est à gauche. Viens, on va aller choper le truc du clap-trap. Oui, je m'étais perdu. Oui, parce je lui que... fais zéro. Mais oui, c'est normal, regarde, tu tires sans son bouclier. Voilà. Maintenant, on saute. C'est un peu Noël. On prend le kit. Et maintenant, on réfléchit à comment remonter. Ah, voilà, il y a des escaliers. Oh, une arme légendaire. Le feu de la révolution. Bah, prends-la. Non, merci. Vas-y, prends-la, comme ça tu peux la vendre. Ça donne beaucoup d'expertise. Ah oui, je suis déjà quand même à 3/4 de mon... Du coup, on va pouvoir aller remplir le clap-trap et on va faire le succès. Nous allons débloquer le succès des 42 emplacements. Hop, kit de stockage. Ouais. Et hop, c'est parti. Et du coup, la quête principale... Oh, attends. Continue tout droit. Attends. Vas-y. Je te guide. Ah bah en plus c'est lui qui nous ouvre une porte. Oh. Ah, il nous ouvre une porte vers un coffre. Sur la droite. Super. Je m'y attendais pas. Ah. Tu veux le flingue? Tu veux le flingue à 353? Non. Bon. Non, moi j'aime bien ce que j'ai déjà. Regardez-moi ça. Oh, regarde derrière. Oh, j'avais pas vu, tiens. Non, merci. Par contre, ouais, je veux bien les grenades. Et du coup, ça nous emmène où, ça? Ça nous emmène de l'autre côté. Il doit y avoir du monde pas loin, non? C'est les cou- Alors, c'est les couchettes de, des mecs de Dell. Oui. Ah, un coffre. Encore un coffre. Et tu vas... Je suis paumé, moi. Ça va être utile. Tu passes par la porte. C'est là, c'est bon, je te vois, c'est là. Et là, il y a des mecs. Il y a encore un coffre. Ouais. Ouais, en fait, l'armée américaine elle est trop bon. Réserve de munitions à zéro. Vas-y, laisse-toi. Oh punaise, il a bougé. Il est où? Chargeur vide. Hop.
J'espère que augmenter l'expertise pour eux va donner plus de vitesse de rechargement. Et du coup, on a trouvé Tanis. Elle est où? Elle est là. Oui. Alors, soit vous avez reçu mon message, soit vous êtes là pour une autre mission. La lance m'a capturé et a désactivé le système écho. Mais les soldats m'ont laissé mon communicateur, ce qui n'était pas bien malin de leur part. Je sais que vous devez m'en vouloir, mais je n'ai jamais voulu vous trahir. Steele voulait la clé et vous faire disparaître. C'était son idée de vous envoyer vers le baron Flint. Et comme vous aviez l'air d'apprécier, maintenant je suis prise au piège ici et elle a la clé de là. Du coup, il faut trouver le terminal de commande écho. Pour réactiver l'écho dans toute la planète. Corrosif niveau 3. Corrosif niveau 3. Et du coup, c'est par ici, je pense. Oula! Oh la vache! T'es où? Je suis mort! Je te vois pas! Mais non, je suis vivant! Ah. Je suis revivant! Alors attends, est-ce que ça m'a donné quoi l'expertise? Temps de latence 6%. Oh, c'est pas mal. Oh là, ça sent. Ah non, j'allais dire ça sent le mini-boss, mais. Donc, terminal des communications écho. Alors, activer les terminaux de commande des émetteurs. Donc là, en fait, on doit réactiver les commandes du terminal écho pour réactiver le système écho dans toute la planète. Par contre, la porte, elle s'ouvre. Oui. Grenade! Ça glisse. Mais c'est que des brutales qu'on a. Ouais. Et en plus, il y en a qui nous tirent par derrière. Ah mince. Vas-y, recule. Ah, je l'ai pas vu lui derrière. Vas-y, pour ça. Où est mon oiseau? Là. Une autre encoche sur mon arme. Hop. Alors. De la vie. Bien, ça retape. Alors, ah bah c'est. Alors, les trois terminaux ils sont où? Ah, les trois terminaux sont dans une autre salle, dans une autre. Oula, il doit y avoir un truc là. J'ai encore de la place. Oh oh! C'est un peu Noël? Oh oh! Amuse-toi. Oh oh oh! Ça tire trois roquettes en un. Pourquoi l'art méridienne on dirait autre chose? Alors on dirait, moi je trouve que ça fait un bout du truc de générateur de portail, de portal. Oui, mais moi ça fait autre chose aussi. Ah oh, attends, la boîte, j'arrive. Oui, c'est pour ça. Attends, déjà moi je vais vendre mes trucs. Oui, c'est ce que je fais. Hop, voilà. Alors, par contre, je vois. Ah, c'est les. Maintenant, on se bat contre les Iridiens. Ça y est, enfin.
Donc là, c'est les. Ils se battent entre eux ou Ils se battent entre eux, mais oh là, la zone est énorme. C'est quoi ça? Ce sont des Eridiens. Ils s'appellent les Gardiens. Les Gardiens sont les Gardiens. C'est ceux qui gardent l'arche. Donc en gros là, il y a deux factions qui se battent entre elles et nous, on doit. On doit traverser pour réactiver des trucs. Super. C'est ça. Donc c'est à droite. Non, c'est après à droite. Voilà, c'est parti. Alors par contre, ouais, l'arme méridienne elle est bien, mais je vais quand même garder mon flingue. Parce que là, en fait, les gardiens, donc la lance écarlate, donc commandée par la commandante Steele, veut ouvrir l'arche pour récupérer les fortunes, gloire et pouvoir. Attendent ceux qui trouvent le One Piece, mais là, c'est l'arche. Donc, en fait, elle veut l'ouvrir, et les gardiens, bah, leur job, c'est de d'empêcher qu'on ouvre l'arche. Ok. Attends. Oui. C'est une chose là. Pas du rouge, c'est juste des munitions. Oh, il y a un sniper là-bas, j'ai pas vu. Mais sérieux? Il y a un sniper là-bas. Mais... Quand même! Il se cache derrière le... Il se débug. Oula. C'est le temps de sortir le lance-roquette! Ah oui, quand même! Voilà, plus de tourelle. Voilà. Donc il y a des messieurs au-dessus. Donc, là, on va... Hop, on peut pas ouvrir la porte là. Si, on peut ouvrir la porte là. Les messieurs sont dessus. Alors vas-y, on fait comme le GIGN. La porte, attends, on peut ouvrir la porte. On peut ouvrir les portes sur le côté. Je l'avais pas vu. Mais en fait, les mecs ils sont là-haut. Il est là, ici, là. J'active le système écho. Bon, y'a rien. On va tuer les messieurs. Là, par contre, là, y'a quelqu'un. Et y'a un coffre! Ouais. Oh, alors un sniper. C'est super. Alors le fusil à pompe ne m'intéresse pas. Par contre le sniper oui. Vas-y prends. Sorti. Là il faut aller tout en bas pour aller activer le deuxième émetteur. Et là si je dis pas de bêtises, on est sur l'avant-dernière zone. Et après, ce serait la zone du destructeur. Du coup, on va finir le jeu ce soir. Là, il y a une zone. Pas ici. Attends, c'est par là ou c'est. Ouais, c'est pas là. On peut aller par là. Plus rapide par ici. Thank you.
Hop. Ah oui, vache. Oula, 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 oula. Ok, tranquille, le mec il spawn juste à côté d'elle. T'as plus de tourelle non plus. Par contre, il fixe de loin, hein. C'est pas possible. Je rush. Non, 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 non. Hop. Oula, 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 oula. La tourelle va faire le... tu peux venir. Reste juste dans la zone rouge. Avance encore un peu. Voilà. Reste collé, comme ça, ça fait double... C'est un peu Noël ? Double heal. Là, du coup, on doit descendre. Pour aller appuyer sur le bouton. Hop. Deuxième émetteur fait. T'as oublié une porte ici. Ah bah c'est... Ça sent pas du tout le copier-coller de zone. Il y a une poubelle ici. Des munitions de lance-roquette. Ah tiens, il y a un coffre rouge. Bien, on a des... Alors, qu'est-ce qu'on a ? Fusil à pompe qui m'intéresse pas, fusil à pompe qui m'intéresse pas. Non. Allez, non. Chacun prend-en un. En prend une, pardon. Et c'est parti. Et le dernier émetteur, il est là-bas. Et... C'est où ? Je suis sorti. Mais c'est où la sortie ? En bas, en bas, en bas, en bas, en bas. C'est le même bâtiment que tout à l'heure. Ok, c'est bon. Tournez à droite. Vous êtes arrivé. Ça va, les mecs ils balancent. Non mais c'est bon, les mecs ils balancent des grenades de Tatooine les 20. Il est où là? C'est moi aussi, je peux balancer des grenades. Pour mon manoir. Lui, les grenades qu'il lance, c'est des grenades dites vampires. D'accord. Donc, en gros, c'est des grenades que tu lances, ça explose. Voilà. Des grenades à transfusion. En gros, c'est des grenades qui explosent et le nombre de dégâts qu'elles font font genre de ramener de la nuée de vie vers toi, en fait. D'accord. Vas-y, balance des grenades alors que tu n'as même pas encore vu. J'ai vu passer un truc devant moi. Ouais, c'était la grenade. C'est ça. Ah, moi aussi, je peux lancer des grenades, les mecs. Hop. Oula, oula, ils sont en train de se faire défoncer, les mecs. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup. Dans l'ensemble. Grenade. Lance-roquette. Alors je sais plus c'est où leur point faible aux Eridiens par contre. On est obligé de les tuer, je crois.
Non, mais... Ah oui, c'est bien. Alors, je crois qu'ils ont un gros gros bouclier, mais ils ont pas beaucoup de vie, je crois. Mmh. Ah, c'est ça. Ils ont pas beaucoup de vie, mais ils ont un énorme bouclier. Allez. Oh, il y a une tourelle. Hop, il n'y a plus de tourelle, attention au mec là-haut. Le mieux c'est de passer par en bas. Il y a un coffre rouge tout là-haut. Ouais. C'est un motard, j'avais pas vu. Non! Je ne pourrai jamais! Non! J'ai réussi à tuer la tourelle! Là! Là! Quand je recharge, je ne peux pas. J'aurais pas dû recharger. Non. T'inquiète, vas-y, je te l'huile, reste devant. Vache. Voilà. Ah, vache, ils font mal, hein. Celui-là. Ouais. Alors, ah tiens, c'est pas du tout le... Ça a changé. C'est génial. Donc il faut aller en haut. Il y a le monsieur là-haut, mais avant ça, le dortoir, les toilettes, et on appuie sur le bouton. Hop, donc on a là actuellement, on a réactivé le système écho dans toute la planète. C'est bon les mecs. Oh. Non mais oh, oh, oh. Une mitraillette avec des... qui brûle. Ah, c'est quoi? Oh, oui. Bon, je vois bien la mitraillette. Elle fait pas beaucoup de dégâts, la mitraillette, mais... elle a 55 balles de chargeur. Ah oui. Et du coup, là, la quête, c'est à qui qu'on va la rendre? Ah, il faut qu'on aille tout au début. Ah, on doit aller. On doit retourner au panneau principal. Allez, c'est parti. Et après ça, ce sera contre le destructeur. Alors, est-ce qu'on peut continuer tout droit ou pas? Je ne sais pas. Ouais, c'est bon. Ah oui, toi en fait tu leur fais énormément de dégâts ou vu que tu passes par. Tu dépasses leur bouclier. C'est pratique ça. Intéressant. Ah non, il faut retourner voir Tanis. Il faut retourner voir Tanis. Ah oui, non, l'art méridienne, je vais la racheter. Regardez, au cas où. Alors, voilà. Ouais, non.
Deux poches en différence, ça ne sert à rien. Et ça, je vais garder. Ouais, tu me dis quand on peut y aller. Go. Alors, où est-ce qu'il faut aller? J'espère qu'il faut pas aller revoir Tani, si. Ah si. Ah non, il faut retourner. Mais non, on est... il faut retourner voir le gros émetteur. Alors, est-ce que les... normalement les messieurs ont respawn? Ah non. Ah si. Oh les dégâts. J'ai pris cher mais... Ah mais il nous tape dessus, au-dessus. Comment ça au-dessus? J'avais pas vu. Un autre qui mord la poussière. Ils sont là. Ah la vitrette est bien. Tu devrais avancer, hein, de toute façon. Oui, mais on me tirait dessus. Alors, hop, du coup, j'ai rendu la quête. J'ai réactivé le système écho. Mais ne perdons pas de demi-tour. Steel a pris la clé de l'arche et elle est déjà en route. Faites-moi plaisir. Tuez cette ordure. Tout à fait. Mais. Oh, oh la quête. La quête qui pop au-dessus. Ouais. C'est... mais le titre de la quête. J'ai pas lu. Tu liras le titre de la quête. Relevez-vous, soldat. Tu fais tab et puis tu vois la quête. C'est où? C'est là. Enfin, le figure contact est rétabli. D'accord. J'ignore comment tu as fait, mais je vois le jeu de mots pourri. Une fois de plus, tu le fais. Écoute, il n'y a pas de... Donc, ah oui, et la personne qui nous parle, c'est l'ange. Qui doit nous aider, qui nous aide un petit peu. Et en fait, on saura qui c'est principalement dans Borderlands 2. Et qui est un peu bête parce que dans Borderlands 2, c'est pas du tout la même personne qui fait la voix et c'est pas du tout le même design. Niveau supérieur. Niveau 35. C'est super. Et du coup, bon, les capacités animées réduisent l'intensité de votre... Du coup, figure de style, on doit trouver et récupérer la clé de l'arche, et du coup, c'est parti pour aller dans l'antre du destructeur. Enfin, c'est pas le destructeur encore, lui. Le destructeur, c'est ton... D'abord, on va... J'ai bien fait d'acheter toutes les améliorations de munitions de... Hop. Là, par contre, il y a du monde. Les sous-sous. Super. Je m'y attendais pas. Donc, oh tiens, mais oui, si ils mettent un truc de véhicule, c'est qu'on peut prendre le véhicule. T'es prêt à y aller? Je grimpe. Ce sera plus rapide, je suppose. Ah ben, on retourne vers les salles flats. Ah mais c'est pour ça qu'ils nous ont donné le véhicule. Là. Ah, le réseau écho remarche. Oui. J'imagine que c'est à vous qu'on doit ça, non? S'il vous faut quoi que ce soit, adressez-vous à mon réseau commercial. Je suis sûr qu'il y a tout ce qu'il vous faut, cher partenaire. Ah, parce qu'il sait qu'on va arriver près de l'arche. Du coup, on est partenaire. Alors... Et c'est par ici. Il reste peu de temps. Tu dois atteindre l'arche à tout prix. Dans cette vie, nous ne retrouverons pas une autre occasion comme celle-là. Oui. Enfin, après, niveau lore, ils se sont un peu contredits. Hein.
que dans Borderlands 1, ils disent que l'arche s'ouvre tous les 2 ans, 200 ans. Dans Borderlands 2, on réouvre une arche également. Après, c'est pas le même type de l'arche, mais on réouvre quand même une arche. Bruit qui fout. Sanguine qui vole comme une mouche. Ah, le flingue il est énorme. Hop. Et on peut descendre par là. Allons dans la grotte. Et nous allons donc dans la descente. Alors, tu dois atteindre l'arche à tout prix. Dans cette vie. Ah oui, non, c'est pas encore l'arche. On a cette map là et après c'est l'arche. Et donc là on est dans un des temples éridiens. Enfin c'est. Oula, oula, oula. Oui, tu leur fais vraiment mal. C'est bien. Le ravitaillement est toujours bienvenu. Pour moi, ça m'intéresse pas. Alors, il faut aller où? Ah, il faut descendre. Devons descendre. Avec les symboles de l'arche, hein, bien évidemment. Ça y est, ça relague. Je sais pas pourquoi. Les gardiens me font lag. Faut pas comprendre. Arrête de bouger. Ah, voilà. Donc il faut descendre tout en bas, je suppose. Hop. Oui, c'est jovial ici. Aïe, vache. C'est accueillant. Mmh. C'est que tu vois les cadavres là-bas, et juste là, tu vois la petite fleur violette, genre toute mignonne. Oula, alors, je lag encore, comme la dernière fois. Voilà. Je suis à 20 FPS, c'est horrible. Désolé, hein, le stream. Je vais essayer de baisser les... Toujours prêt. Tu lags ou pas toi? J'ai un peu de latence. Oui, parce que là, moi je lag à bord. Attends. On en a jamais trop. Je pense que vaut mieux qu'on se bat en fait.
Ben moi, de mon côté, je vais regarder le sol et je vais essayer de me barrer. Et cet endroit me fait laguer. Attends. Alors, j'espère, juste, moi je rush, hein, parce que sinon je lag. T'es pas retourné en arrière ou t'es parti en avant? Ah non, je suis parti en avant, je suis parti en avant. En avant, c'est où en avant? C'est là où je suis. Parce que la zone est optimisée avec les fesses. Là je peux pas, hein, je peux pas du tout. Et je pense que là dans la zone du boss, je vais faire une déco reco. Parce que c'est pas possible. J'espère juste que pour la zone du boss... Laguer sur le boss, de toute manière, c'est mauvais. Bah, j'espère juste que sur le boss, ça devrait être bon. Parce que là, tu vois, genre là, je suis bien à 60 FPS, mais la zone d'avant, c'est mort. Alors, donc la zone du boss, c'est... un volcan. Là pour le moment ça va. Ah tiens, on va vendre nos armes parce que. Là. Je vais relancer le jeu, Jack. Ok, alors attends. Non, j'ai dit attends, j'ai pas dit me tirer de barre. Je vais relancer le jeu parce que là, je suis situé. Genre là, je regarde droit devant moi et je suis à. Vas-y, c'est bon. Je suis à 8 FPS. Donc c'est pas possible. Alors j'attends juste qu'il prend bien que ce soit arrêté sur Steam. Mais on dirait que c'est à force de jouer en fait que ça crache. Bah, la zone est hyper grande et il y a plus de détails dans le décor. Je pense que c'est lié à ça. Ouais, mais puis c'est bizarre. Allez, Pépé, relance-toi. Touquet. Pouit, pouit. Allez. Commencer le jeu, jouer une partie. Alors, j'attends que la zone se charge. Bah, tu vois, genre là, je suis à 60 FPS dans la zone. Alors, attends, je vais t'inviter dans le lobby. Il attend que tu sois revenu. J'ai pas eu l'invitation. T'as pas eu l'invite? Non. Bah pourtant j'ai fait Jake invité dans le lobby. Bien, passe par Steam. Bah c'est ce que je fais. Je fais comme tout à l'heure. D'accord, mais j'ai pas vu, ça n'a pas clignoté. J'ai dû ouvrir manuellement la fenêtre de chat, sinon je l'avais pas. Voilà. J'arrive, je charge. Vas-y, y'a pas de soucis. Je vais juste, comme d'hab, désactiver ton son. Hop, joueur muet. Activer joueur muet. Voilà. Tu me dis quand c'est bon. Donc tu as besoin d'aide. Et on peut y aller. Surtout, ne me gêne pas. Donc là, du coup, on voit nos chers gardiens qui se battent contre la lance écarlate encore. C'est parti. Alors, soit on les tue tous, soit on court. Comme tu veux. Ah,
Ils sont beaucoup. Hein. Alors moi de mémoire, quand j'avais joué au jeu, je me souviens, j'avais couru. Il donne quand même pas mal d'XP. Hein. Il donne de l'XP. On fait ce derrière ou. Ouais, avec un couvert. Voyez-vous ça. C'est invisible. Oh punaise. Le gardien mental. Que. Oula. Ah, arrête de bouger. Ils sont relous. Oui, bien sûr. Ah, attends. J'ai un truc pour toi. Je l'ai ramassé, je te le donne après. Attends, ouais. C'est un artefact légendaire. Ah. Voilà, vas-y. C'est bon, c'est safe ? Ouais, c'est safe, tu peux l'envoyer. Ok. Alors, c'est ça. T'es soldat toi hein. Ouais, soldat. Ouais. Voilà. Oh, merci. Et du coup, ça fait quoi? Ah bah je l'ai déjà. Ça ajoute les dégâts explosifs niveau 3, mais je l'ai déjà. Okay. Mais bien c'est quand même. Trop vite. Ah oui, pour le snipe c'est compliqué. Voilà, c'est sûr. Ah oui. Par contre, dès que je les touche, bobo. Ah bah ouais, parce qu'en fait, comme je dis, ils ont, c'est un peu comme les archontes de. Oh, par contre, ils font très mal les tours de scorpion. Les archontes dans StarCraft 2, ils ont énormément de boucliers, mais ils ont pas beaucoup de vie. Aïe. Merci. On ne fait pas pour mettre le pied. Allez, petite tourelle. Qui me sert à rien et un fusil à pompe qui me sert. Je te laisse prendre la mitraillette. On est monté où ou pas? Je sais plus quoi, quoi elle ressemble la zone. Ah oui, non, on a encore une zone. Ah oui, c'est pas la dernière zone. Attends. Après oui, il y a du c'est pas du boulet de drogue, mais Tenez ton coffre rouge, toi. Le ravitaillement est toujours bienvenu. Ouais, il est un peu mieux que le mien. La classe, je te laisse prendre le fusil à pompe. Le fusil à pompe est un peu mieux que le mien, mais moi, c'est un électrique qui est... Ça fait mal énormément au bouclier. Je veux bien garder. Il est invisible, c'est ça. Hein. Ils
sont relous à boucher, hein. Ouais. Ça me saoule aussi. C'est pas il bouge, tu peux essayer de prévoir, non non, c'est 10. Une autre poisson. Ah, regardez-moi ça. Oh. Ah bah il y a des ennemis. Sérieusement? Le mec, je suis juste à côté, j'arrive même pas à le viser. Voilà. Un autre coffre rouge. Des armes ici. C'est un peu Noël? Ah, je te laisse la classe chasseur. Ouais, alors attends, je vais peut-être. Non. Hop. On est proche. Tire en mortier les mecs. C'est génial. C'est trop mal. Ah, y en a des caisses de munitions. Derrière toi. Tu es prêt. Quand l'arche s'ouvrira, rassemble toutes tes forces. Oui, niveau en plus. Oh. Ah, je me sens déjà mieux. Il était invisible. Mais il m'embête, eux. Il est brutal. Il est brutal. Non, on aimerait dire c'est des brutas. Ouais, pas mal. Il y a... Ah hop. La vache. Voilà. Un peu de vie. C'est super. J'espère qu'ils mettent un magasin après parce que. Ah. Alors viens rush. Ah non, il reste plus. Il reste. Toi t'es mort, il y en a un là en haut. Il bougeait pas, il était bugué. Et après il y en a un qui est là-haut derrière. Derrière. Ah bah nickel. Voilà. Allez, le boss. Et en plus, on va pouvoir mettre notre point de talent. Bah oui, l'arche. Encore mis. T'es level 36, donc t'as un point de talent là. Oui, mais je l'ai pas encore mis. Ouais, moi aussi, t'inquiète pas. Ah bah. Vous avez en fait, non. Refusé de m'écouter.
Malgré mes avertissements répétés, vous avez persisté à ignorer mes ordres. Blabla. Le contenu de l'arche est de plein droit la propriété de la société Atlas. Mais vous, vous êtes à moi. Donc ça va être le boss final. Hein. Ah oui, c'est vrai que elle, le cap... Steel, c'était une sirène. Comme Lilith. C'est vrai que j'avais oublié. Oui, la clé fonctionne. Sergent, tenez-vous prêt à entrer avec vos hommes. Allons prendre Adieu. Ce qui nous revient de droit. À ce sujet, Tanis a besoin d'un peu de compagnie au cachot. Et voilà le destructeur. Ok, on peut reculer un peu? Oui, oui. Point faible. On recule, on fait les points. Oui, mais attention, il va nous... attention, parce qu'il nous attaque quand même, hein. Oui, je vais être inquiète. Point critique, son œil. Oui. Attention, parce qu'il tire des lasers. Voilà. Et bien sûr, alors les pics, tu peux les détruire, les pics. Je crois que si tu tires dans ses pattes... Les bras, on peut les péter, non? Ouais, les bras, ouais, on peut les péter, je crois. Ouais, c'est ça. Ah ouais! Cible touchée. De quoi, ouais? Le dégât de recul. Ah oui, ah bah oui. J'ai l'impression que Sandine ne sait pas quoi faire. Aïe! Sur la droite, sur la droite. Je me suis pris tous les pics en fait. Peut-être sur les airs en plus. J'essaie de me cacher derrière un poteau. Ça va être l'histoire. Ah, c'est bien, quand je détruis une de ses pattes, ça active mon succès, mon talent. Il y a de la vie, hein. Non, ça va, je pensais que... Il y a une autre phase ou pas? Je pense pas. En vrai, on le descend. Ben là, si tu vois, là, il y a des poteaux. Ouais, bon, il est pas à 3 pouces, donc ça sert à rien. Il y a les... Ah, si, hein, faut, les pattes, faut les détruire parce que c'est ça qui balance la pique. Que de 13 balles. Il va y avoir des munitions. Bon, c'est bon, on a fini. On arrose et on les crève. Et voilà. J'y suis allé au lance-roquette sur la fin. Et voilà. Le boss final. Le destructeur. Mais donc on ouvre l'arche, il y a un destructeur, quoi. Oui. Puisque... Il est pas mort, il est reparti. Alors, tu as ouvert il l'arche. Est mort, mais... Je regrette de n'avoir pu t'avertir de ce qui t'attendait à l'intérieur. Mais pour que tu arrêtes tout cela, je devais te laisser le découvrir par toi-même. Tu as rempli ton rôle sans réclamer la moindre récompense. La clé ne peut ouvrir l'arche avant 200 ans, mais je suis sûre que Tanis t'en donnera un excellent prix. Vas-y. Je t'observerai. Alors... Voilà, donc là, société Hyperion. C'est un satellite de la société Hyperion. Cependant, donc là, c'est Pandore depuis l'espace. Hein. Bien sûr, et du coup, on continue sur notre claptrap national. Voilà. Claptrap devient un ninja interplanétaire.
Ah non, il y avait des crédits, je me souviens plus. Bah, c'est une évidence. Mais dans le 2, il n'y a pas de crédits. Laisse le défiler. Oui, je ne touche plus mon écran. Mais alors, du coup, là, il y a un point d'incohérence niveau lore. Parce que dans Borderlands 2 et Borderlands Pré-Séquel, la personne qui nous parlait, c'était l'ange. Sauf que l'ange, elle a 8 ans à cette époque. C'est pas la même ange. Si, c'est la même. Parce que, en fait, dans le lore, l'ange, je vais pas trop spoiler non plus, mais elle a 8 ans à cette époque-là. Dans Borderlands 2, ça se déroule, je crois que c'est une dizaine d'années après Borderlands 1, on réouvre une arche. Alors, je vais essayer un peu. On réouvre une arche. Donc il y a quand même pas mal d'incohérences. Mais par contre, le claptrap qui se transforme en zombie, c'est pour annoncer le dernier DLC de claptrap et le combat ninja interplanétaire qui fait lui vraiment qui est vraiment une préquelle à Borderlands, pré-séquelle en fait. Puisque dans Borderlands, là à la fin du DLC, en fait claptrap il a reçu une mise à jour pour devenir un ninja machin. Et dans Borderlands Pré-Séquel, on joue ce même claptrap qui a toujours la mise à jour d'assassin en fait. Et du coup on est embauché par Jack pour aller sur Elpis et découvrir l'arche qui se trouve sur Elpis, qui est la lune de Borderlands. Et c'est, du coup, c'est toujours le même claptrap qu'on suit dans Borderlands 1, enfin qu'on voit dans Borderlands 1, pré-séquel, le 2 et le 3. Même si dans le 3, il n'y est pas beaucoup là. Voilà. Donc, niveau lore, on voit que c'était le premier, que c'était pas vraiment ça. Ah, il y a déjà beaucoup quand même. Ouais, mais s'il y avait des petites incohérences. Par contre. Je sais plus, je crois que c'est 6 ou 7 sirènes maximum dans l'univers. Et on en a découvert. Attends, une limite. On a découvert les 6 en fait. Dans tous les jeux Borderlands, on découvre toutes les sirènes du monde de Borderlands, puisque je crois qu'il faut en avoir que 6 en tout, dans tout le monde, dans tout le cosmos, et on rencontre toutes les sirènes. Alors je sais pas si il y a les bébés de Borderlands, je savais pas ça. Ah vache, ils ont fait beaucoup de bébés. L'équipe est extrêmement nombreuse, c'est parce qu'il y a l'équipe du petit studio, mais il y a l'équipe de Gearbox, il y a l'équipe c'est vrai. Ouais, je tous les messages. C'est pour ça que c'est important les crédits, c'est pour voir. Oui. Bon, après, c'est en anglais. Après, c'est normal ça. Ah. C'est comme Noël, c'est like Christmas. Your mom, ok. Je remercie ta maman. C'est la première fois que je vois une équipe avec des remerciements personnalisés pour chaque personne que je suis. Ouais, parce que. Ouais. Je remercie le nombre Pi, Alpha Pi et Tarte. Starbucks, quoi, ça. Oh,
je t'entends très peu parce que je sens de la musique très très fort. Et j'ai de la chance parce que moi j'ai zéro musique dans le générique. T'as zéro musique? Ouais. Ah mince. Bah regarde le scène, t'auras la musique. Ouais. Oh la vache. Les crédits seront coupés au montage. Ah non. Non. Mise déjà la lettre T. Ah oui, c'est vrai. On est passé à W, c'est bon. Ah mais fait... ils font des pavés aussi. Première fois, je vois ça. Je me suis, tu vois, je m'en souvenais même plus. Ah, là, c'est l'éditeur. Ça, c'est... Non, ça va, il est bon. C'est pas pire que les génériques de Sonic. Nicolas. Une demi-heure de générique. Ah. Bah, tu te souviens plus de Rayman? Rayman, ça va encore. Non, Rayman, t'avais le double, t'avais le premier générique, et quand tu faisais le... Souviens-toi, quand on faisait le dernier niveau super compliqué, t'avais de nouveau les crédits, mais là tu pouvais les casser. Ouais. Ah, tous les testeurs. Parce que ouais, ça, les testeurs, sans eux, on n'aurait pas des jeux... À ce point-là. Ah, mais testeur, c'est un métier hyper important. Il y a ah des oui. gens qui rêvent d'être. Oh mon dieu, je rêve d'être testeur de jeux vidéo. Mais tu passes pas ton temps à jouer, tu passes surtout ton temps à faire des bugs, des test reports. Comment on appelle ça sur les valises? Des bug reports. Ouais, des bug reports, ouais. C'était mon métier de rêve que je voulais faire à la base. Et surtout, tu vas chercher à provoquer les bugs. Tu vas faire et refaire en une journée, tu vas peut-être refaire 200 fois le même niveau. Ouais, mais à la base, je voulais faire ça. Je voulais être testeur de jeux vidéo parce que je voulais jouer aux jeux vidéo. Et quand je me suis renseigné qu'il fallait faire un bac L, apparemment, parce que. Il fallait faire un bac L, parce qu'il fallait faire. Il fallait passer par un peu un mode journaliste. Tu vois, spécialisé de jeux vidéo et tout. J'ai dit. Moi, et le français, c'est compliqué. Moi, on m'avait dit. Aller plutôt passer par des filières techniques. Bah moi c'était plutôt TR, toi. Bizarre. Alors, la fin. Et du coup, Claptrap en ninja. Non, c'est pas fini. Ouais. C'est parti. Ah oui, là c'est passé les crédits parce que c'est le GOTY et... Ouais, le GOTY remaster. J'espère que la musique elle est pas claim. Ah, bonne nouvelle au fait. Enfin, on est en stream, mais c'est pas grave. Tu sais, on avait été. Il y a eu des réclamations sur les VOD YouTube de Batman, surtout des musiques. Oui. Sur l'intégralité des VOD. Oui, parce que ouais, c'était le thème de Batman. Exactement. Bonne nouvelle, parce que j'avais fait réclamation pour ça. Ouais. Toutes les VOD Batman ne sont plus sous réclamation. Ah! Voilà. Ça a pris 3 mois. Exactement. N'hésitez pas à regarder les VOD Batman de Arkham Origin. Ouais, quand même 3 mois pour... Là, je suis sûr que cette musique-là, elle est claim. Parce que la musique déjà de début, le générique du début était claim. On verra bien, hein. Tout cas, c'était des checks. Oui, baby. Ils ont sous-traité en check. Mais c'est un studio tchèque à la base. Tout cas, c'est un studio tchèque. Il me semble. Une société américaine.
Bah, ils ont sûrement des studios en Amérique, comme Ubisoft, ils ont des studios au Canada. Les boss, c'est fou. Voilà. Là, ça veut dire boss. On est écossais. Ah, Jonathan Cohen, il fait là. Non, c'est pas le même, c'est pas le même. On sait jamais, on sait jamais. Hein ouais, c'est un nom hyper... Nina Davis, Michael Davis, Morgan Davis, Joshua Davis, Ian Davis. Ouais. C'est comme Dupont en France. Ah, hein. C'est peut-être toute la famille. Hein. Oh. Bah regarde, Nicolas Gaffney, Brad Gaffney. Bah, c'est la même famille, ça. Ah, peut-être. Pareil, Benjamin Gibson, Steven Gibson. Non, Gibson, c'est connu. Lewis Hamilton. Higgins. Tu vois, Higgins aussi, c'est... Ah, Higgins, c'est connu. Brandon c'est Johnson. Non, non, c'est le nom commun. April Johnson, Neil Johnson. Seung Kim, Wong Kim, Jin Hoon Kim, Kyle King. En fait, c'est une grande famille, Gearbox. On est co-M. Et après, on passe à Touquet France. Il va y avoir de Gérard Neuchâteau. La musique, elle me fait un peu penser à du Chaka Khan. Avec la musique, je t'entends pas. Je disais, j'aime bien Chaka Khan. Ah, ouais, mais tu aimes. Mais du coup, je sais, ça fait vraiment penser au ciel. Je crois que l'épisode sur YouTube, je vais juste l'appeler les crédits. Non. dis-toi, vraiment sans blague, Sony Colors, parce que j'ai calculé, ouais. C'est 28 minutes de crédit. Mais là, c'était vraiment abusé de la part de Sega parce qu'ils ont mis vraiment tout l'organigramme de Sega. Ils ont allé jusqu'à créditer les comptables. C'est pas des blagues. Ah oui ? Oui, carrément. Ah ouais. Oh, non, Spyro, le remaster de la Reignited Trilogy, ouais. T'as les crédits de base, comme le Spyro, mais t'as aussi les crédits du Reignited Trilogy en entier. Ah oui, les crédits du Spyro, il y en a pour 17 ou 18 minutes. Oh la vache. Ouais. Ouais, c'est... Mais par contre, à la fin des crédits de Spyro, il y a la photo de famille de tout le monde, avec leurs animaux et tout. Ah, ça c'est bien ça. Ouais, ça c'était... C'était dans quel jeu ? C'était Batman Arkham, je crois, qui montrait la photo. Il me semble, oui. Il me semble. Je crois que dans Batman Arkham Origins, à la fin, on voyait la photo de l'équipe. Donnez-moi. Et en fait, depuis tout à l'heure, c'est les crédits qui tournent en boucle. Non, mais... Ça, en général, je le remarque vite. Ça arrive que des... Alors, c'est très rare, mais ça arrive que des jeux fassent ça. Mais non, non. Là, on a eu Gearbox, on a eu juste avant le studio, là, c'est tout OK. Et je crois qu'après... Parce que là c'est pour la version remaster. Il me semble, ouais, donc normalement après tout cas ça devrait être bon. Ouais. Ils ont fait quoi d'autre, Touquet, comme parce que c'est un éditeur ça. Bah, à part les Borderlands. Ils ont fait NBA, Touquet. Ah oui, c'est vrai que c'est eux qui font ça, ouais. Il y a NBA Touquet. Ah non. Mais sinon il n'y a plus le son.
Non, 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 juste de mémoire. De mémoire, je crois que... Bah, attends, je suis en... Bon, mon téléphone. Mais de mémoire, il y a NBA 2K. Alors, 2K ou Gearbox? Non, 2K, 2K, vraiment l'éditeur. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, Touquet ? Boutique officielle de Touquet. Non, pas là, je vais faire Wikipédia. Alors, c'est une filiale de Tech2. D'accord. L'entreprise est une filiale de Tech2 Interactive qui possède également le studio Rockstar Games. Ils ont acheté Rockstar ? Bah, non, pas, c'est Tech2 Interactive qui possède 2K Games et Rockstar Games. Ouais, ouais, mais Rockstar, je savais pas que ça avait été racheté, c'est pour ça. Et ainsi que deux labels, 2K Sport et 2K Play. Oui, ouais, c'est normal. Alors, après, ils ont plusieurs autres filiales. Ah, c'est fini. Ah. Le loot rouge. Il y a du loot. Alors, bien, les jeux principaux de 2K, il y a du Seed Meilleur Civilisation 4, Baseball 2K 5, Serious Sam 2, Vietcong 2, les Civilisations 4 aussi, Prey, Stronghold Legend, Bioshock, bah oui, c'est eux qui ont fait Bioshock. Ghost Rider, The Darkness, Borderlands, Mario Shock 2, Duke Nukem Forever, les Mafias. Oula, il y a du loot partout. Non, c'est un fusil à pompe. Tout je prends. Ah bah tiens, il y a des artefacts pour toi. J'arrive. Super, je m'y attendais pas. Oh. Alors, petit flingue x2, tous les flingues. Oh, l'art méridienne, par contre, ça je... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mugshot. Je prends toutes les armes. Vas-y. Et ben voilà. On a battu le destructeur. Alors. Hop, tiens, je te donne quand même une partie des armes, comme ça tu peux... Hop. C'est un peu Noël. Ça par contre, je vais garder. Tiens. C'est génial. Ça, on peut partager les sous-sous. Joli, regardez-moi ça. Hop, une quête à rendre. Oui, c'est la quête. En fait, on doit. En fait, là, on a ouvert l'arche, etc. Et comme on a tué le boss, maintenant, on doit aller retourner voir Tanis pour aller lui donner la clé de l'arche. Comme ça, elle va nous donner des sous. Ok. Tu me dis quand je peux TP. Vas-y. Pas le tri des armes après. En fait, là, c'est ça la dernière quête. Et après, il y a des quêtes secondaires, je crois. Ah merde, j'ai oublié un... Non, c'est oublié. J'ai oublié, hop. Et voilà. Alors. Du coup, là, on va aller vous rendre la... donner la clé à Tanis. Qui mais est... Ouais. Pour prendre la voiture, hey, c'est juste à côté. Prêt à y aller. Je grimpe. C'est juste là, mais bon. Du coup, ce serait la dernière quête.
Après, c'est les succès. Enfin, les succès, les DLC. Ah, t'as pris une arme méridienne ? Non, non, c'est celle que j'avais déjà. Ah. Mais que je n'ai pas utilisée en fait. Donc... T'avais déjà une arme méridienne ? Mais oui ! C'est celle que je t'avais passée, que j'avais repassée il y a. Ah oui, c'est vrai. Oui, il faut attendre. Après, alors plus tu l'utilises, plus elle va. Elle va se recharger plus rapidement. C'est parce que, en fait, comme ton niveau d'expertise il est bas. Alors, notre cher Tanis. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? Je te rends la clé. Donc, merci de me l'avoir apportée. Cette somme d'argent compensera avec toutes vos souffrances passées, votre silence futur. La clé ne servira plus à rien pendant des siècles, mais je veux éviter qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. Par ailleurs, je compte poursuivre mes recherches. Il semble que l'on puisse apprendre des Iridiens autre chose que la construction de vaisseaux spatiaux et la fabrication d'armements. Voilà, nous avons terminé toutes les quêtes de Borderlands. Principales. Normalement, on a fait toutes les quêtes. Et du coup, là, il nous reste plus que les DLC à faire. Attends, je suis bloqué. Et il y a un coffre rouge. Il y a un deuxième coffre rouge là-bas. Non, j'ai mal sauté. Du coup, je te laisse prendre le coffre. J'y arrive. Allez, hop. Les boucliers. Nul. Oui, boy, c'est normal. Après, c'est adapté selon la zone. Tu peux prendre si tu veux. Du coup, c'est parti. On va aller sur le DLC. Comme ça, on va montrer au moins les gens à quoi. On va montrer au stream à quoi ressemblera le premier DLC. Tu veux pas qu'on le garde pour plus tard ? Ah, enfin, pour la semaine prochaine. On peut le garder pour plus tard. Mais ça, juste pour montrer le début. Tu vois la zone ? On est quasi à. Il est bientôt minuit. Oui, bon, vas-y. Alors. Juste à aller dans une machine à vendre des trucs. Ouais, voilà New Haven. C'est parti. Hop, New Haven. Hop. C'est parti, mon kiki. Et du coup, ça fera... On aura live 3 heures. Voilà. Donc la machine, elle est là-bas. Attends, du coup... Si j'utilise une clé avec une arme méridienne, techniquement, il devrait me donner des armes méridiennes, non ? Bon pot. Oh, je suis pourri, c'est ça. Par contre, on va gagner plein de sous-sous. Alors, déjà... On vend toute la camelote. Oui, c'est vrai que les modes de classe... Mode de classe. Du coup, c'est quoi que j'ai débloqué là, le mode de classe ? Level 3 électrique. Oh, intéressant. C'est la première fois que j'ai autant d'argent, je crois. 1 768 000.
2 046 335. Je pèse dans le métier. Bah voilà. Super, je m'y attendais. Encore? Ouais, ouais, mais c'est pour. Bah, j'en ai 67 donc. 64. Et c'est que pour Borderlands 1 ou tes clés sont valides aussi sur les autres jeux Borderlands? Ouais, je peux tester dans 2 secondes, je te dis ça tout de suite. Je vais pas lancer Borderlands 2 pour tester. Bah si. Bah, dans ce cas, on va regarder ça. Je vais les lancer là. Juste voir si ça fait les mêmes dégâts. J'ai besoin de recharger. Ah non, ça fait moins de dégâts. Non, messieurs, dames. Ne vous inquiétez pas. Là, je veux que tu m'affiches Borderlands 1, s'il te plaît. Voilà. Je t'ai dit ça tout de suite. Alors, bah on va s'arrêter là. On fait notre petite tuile ou pas? Bah oui. Bah c'est parti. Attends, mince. Ah. Attends. Hop. Ah oui, mais non, faut que je change d'arme parce que sinon. Ah tiens, je vais tester celle-là. Ah mais oui, j'ai que 2 armes aussi, que 2 balles. Il est pourri. Et je vais prendre la mitraille. Attends, je me gêne. T'as testé la clé sur l'audio du coup? Bah non, parce que en fait ça fait planter. Ah. Ouais. Je peux lancer les deux, mais faut attendre. En fait, faut plus que je touche. Et je dois attendre. Non, mais du coup, on verra après, on donnera la réponse au prochain stream. Attends, bouge pas. Juste parce qu'en fait j'ai fait derrière le tab, donc. Ça tout de suite. Lancement de Borderlands 2. Recherche de contenu téléchargeable. Allez. Alors, c'est qu'il met un peu de temps quand il recherche le contenu téléchargeable. Sur les gens, vous le voyez pas. Et de mémoire, c'est pas cumulé entre les deux. Hop, création de la session en ligne, oui. Ah. T'as planté, non? Oui, j'ai planté, le jeu a fait planter. Va-t'en comprendre pourquoi. J'ai 12 clés en or disponibles. Ouais, on part sur Borderlands 2. Non. Alors attends, je relance le jeu pour notre petit duel. Et je vais regarder pour les clés. En fait, je sais pas pourquoi Steam il a pas aimé. Bon, attendez. On fait le duel quand même ou pas? Ouais, mais il va falloir que tu me réinvites. Ouais, alors attends, je regarde juste pour les clés. Comme je suis sûr. Oui, mais pas mon. Qu'est-ce qu'il m'a foutu? Mais. Mais mon bouclier? Mmh.
Ashley a fait n'importe quoi. D'accord. Le jeu qui merde et qui me fait... qui m'a enlevé tous mes... D'accord. Alors, attends. Hop. Alors, c'est bien des clés séparées. Okay. Puisque sur Borderlands 2, j'ai 12 clés. J'ai 12 clés. Hop. Donc alors, attends. Il faut que je relance... Ah, une erreur est survenue lors de la mise à jour de Borderlands Gauthier Unsaid. Mais je t'ai pas demandé de la mettre à jour. Je relance le jeu. Vous inquiétez pas, c'est normal que c'est noir. Allez, le jeu... Donc, j'ai 66 clés sur Borderlands Gauthier Unsaid alors que j'y joue jamais. C'est le seul des Borderlands que j'ai... C'est celui que j'aime le moins. Ah oui, mais du coup... attends. Faut que je mette en parcours numéro 1. Parce que maintenant, en fait, comme on a fini le boss, on peut relancer un parcours. Donc là, c'est parcours numéro 2. Et les ennemis sont plus puissants, etc. Toujours là? Oui, oui. Je... Okay. Comme tu ne me répondais pas. Je t'ai envoyé vite. Ça charge. Okay. Oui, parce que enfin, par rapport à ce que tu dis, c'est du New Game Plus, en fait. C'est ça, New Game Plus. Mais du coup, quand je lance la partie, dis est-ce que tu veux lancer en parcours 1 ou 2? Alors on va voir si la théorie au fait du... Non, tu vois, tu spawns pas sur moi, tu spawns sur la station New U la plus proche. En effet. Là, c'est parti. Quel meilleur gagne. Mais... Tu peux faire 1, 2, 3, 4. Hein. Ah, quand même. J'aime bien m'entraîner. Ouais, c'est de la triche, je t'ai tué avant. Il est marqué que j'ai gagné. Non, c'est de la triche, monsieur, c'est de la triche. Pardon, hein. Je t'ai tué avant. De vidéo arbitrage, hein. Et en plus... Attends, laisse-moi en régène. Et que ma tour... Elle... En plus, tu utilises ta compétence que moi, je ne l'utilise même pas. Je ne vois pas de quoi tu parles. Si, j'ai vu un sanguine électrique... Alors, attends, merde. Il y a des oiseaux dans le ciel, c'est normal, c'est la nature. J'ai vu un sanguine électrique... C'est... Ce n'est pas réglementaire, monsieur. Voilà, il n'est plus valable. Vas-y. Attends, il faut attendre. Je vais recharger. Voilà, quand même. J'aurais dû garder l'ancien. Quand tu veux. Ah, vas-y, je vais essayer. Bien malin de ta part, ça. Donc, c'est nul. Et là, par contre, j'ai eu l'impression que ça t'a priorisé le bouclier avant la vie, par contre. Ah oui. Affronter des gars de votre catégorie. Ouais, j'aime vraiment pas cette arme. Ça dans les règles. Pourquoi j'ai dû recharger mon pistolet qui se charge pas? D'accord. Il est déjà en train de me tirer dessus alors que... Ça me servira à l'entraînement. J'ai ici l'autologue pour louer des autos. Tu peux la ravaler avec des jolies couleurs. Non, je ne mourrai jamais. Alors moi par contre j'ai beaucoup de mal, c'est avec le sniper. Le snipe, je l'aime bien, le pistolet aussi. Comment tu dis iridien? L'iridien, ouais. Ah non, ça, j'aime pas du tout. Alors moi, mon flingue, c'est un flingue super stylé. Il n'y a que deux balles.
Et ben voilà. Oui. Je te laisse te déconnecter. Oui. Et du coup, pour le stream, la prochaine fois, nous devrons aller dans Jacob Cove. Jacob's Cove. Comment t'as dit ? Jacob's Cove. Cove ? Oui, Cove. Ça veut dire quoi, Cove ? Je sais plus. La crique de Jacobs. Ah, une crique, d'accord. Hop, petite transition. Et bien voilà, messieurs dames, c'était Borderlands Gotti Hansed. Du moins la quête principale. On a quand même rushé la fin. Quoique, oui. on a quand même tué quand même pas mal de monde. Du coup, on se retrouve la prochaine fois pour les DLC. Donc, premier DLC, ce sera Jacob's Cove. Il dure pas longtemps, lui, je crois. De mémoire, il dure une heure et demie, deux heures. Ça pourra faire l'objet d'une seule vidéo. Je crois, ouais, il dure pas trop longtemps. Donc, ça va encore. N'hésitez pas à suivre Vincent Studio sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, nous rejoindre sur le Discord, nous suivre ou vous abonner sur la chaîne Twitch, ça fait toujours plaisir. C'était Draken et Jack, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, cordialement bisous. Bisous.